petite remarque, comme livre de base, mes livres préférés sur la relativité générale restent le volume 2 de Landau-Lifschitz, Théorie des champs, le Weinberg, Gravitation et cosmologie, qui date pourtant déjà de 72. Alors, il y a un livre très récent, sorti en 2013, que je trouve excellent, parce que c'est celui de Norbert Straumann, deuxième édition, qui donc vient de sortir et qui est à la fois mathématiquement complet et physiquement très précis et qui incorpore des résultats récents. Pour le côté plus mathématique, je vous rappelle que les livres de Madame Choquet et Cécile de Witt, Analysis Manifold and Physics, est excellent, et que Madame Choquet-Bruat a publié, en train de travailler d'ailleurs sur un nouvel ouvrage, mais a publié un livre sur la relativité générale et les équations d'Einstein. Donc, vous avez des questions mathématiques. Pour le côté vraiment relation entre relativité générale et expérience, il y a un livre déjà un peu ancien de Clifford Will, ainsi qu'une Living Review on Relativity qui est disponible sur le web. Et comme je crois que je l'ai déjà indiqué, pour quelque chose de beaucoup plus résumé, mais qui donne toutes les références sur les tests récents, c'est la revue que je mets sur le, que je garde sur le, la page web du Particle Data Group, qui est disponible gratuitement. Particle Data Group, vous allez sur Reviews et vous avez en quelques pages une revue sur la relativité générale et ses, sa confrontation à l'expérience. Petit rappel donc de la dernière fois, juste pour ceux, s'il y en a qui n'étaient pas là. Donc l'essentiel de ce que j'ai dit, c'est que localement, quand vous avez un espace-temps pseudo-riemannien, un espace-temps courbe, disons, ou un espace courbe, il existe la notion plus riche que celle d'espace tangent, qui est l'espace tangent osculateur, donc un espace plat osculateur, soit en un point, soit le long d'une ligne quelconque, qui est défini par le fait qu'il existe des coordonnées, qui ici sont des projections quand vous êtes dans, en plongement dans un espace euclidien plus grand, telle que la métrique courbe locale se réduit à la métrique plate à des termes du deuxième ordre par rapport à la distance au point P. Et ça, ça conduisait immédiatement à la notion de transport parallèle d'un point P à un point P' dans un espace riemannien quelconque. Et en formule, donc localement, ce transport parallèle voulait dire que c'était le transport parallèle dans l'espace plat osculateur. Et du coup, techniquement, il apparaît ces quantités qui s'appellent coefficient de Christoffel ou coefficient de la connexion dans une base naturelle. Et dans une base naturelle quelconque, l'équation qui donnait les composantes du transport parallèle du vecteur V en un point P' infiniment voisin était ces composantes au point P, moins quelque chose qui était une matrice qui fait en un sens tourner les indices. Et cette matrice, qui a donc ces indices de matrice, était quelque chose qui était une forme linéaire dans la distance infinitésimale de P à P'. Donc c'est ce qu'on appelle une informe mathématiquement. Sauf que justement, il manque l'indice lambda. Là. OK. Et les coefficients de cette informe de connexion sont précisément les coefficients de Christoffel. Et de là venait la notion de dérivée covariante qui, étant donné un champ de vecteurs, donnait un champ de vecteurs qui avait un indice de plus du type covariant par cette formule. Et si on avait un champ de covecteurs, on avait la même formule, mais avec un signe moins. Et puis les indices, en gardant l'indice de dérivation à droite, il n'y avait pas à se tromper. Et aujourd'hui, on va expliquer... la dernière fois, j'étais resté au niveau de la connexion. Et aujourd'hui, on va aller au niveau de la courbure pour pouvoir aller plus loin dans les équations d'Einstein. Alors, oui, je vais peut-être écrire dans un coin ici. Alors, il y a la notion de courbure d'un espace riemannien ou pseudo-riemannien à plusieurs facettes et peut être définie, donc on peut l'approcher de plusieurs façons. L'une consiste à continuer le comptage que je faisais la dernière fois. Qui est que quand vous avez localement les coefficients de la métrique dans des coordonnées,
Vous utilisez la liberté qu'il y a d'une transformation de coordonnées locales pour essayer de réduire cette écovision de la métrique à la forme la plus simple possible. Donc on a vu qu'en prenant les changements de coordonnées localement, donc x alpha au point x lambda valait x alpha au point p, plus des termes du premier ordre qui sont les dérivées premières de ça fois la différence, disons x mu moins x mu au point p, plus après des termes en dérivée seconde au point p, avec, appelons ça delta x mu, delta x nu. Donc cela permettait de réduire les coefficients de la métrique à une forme canonique. Cela avait juste le nombre de composantes qu'il fallait pour pouvoir réduire les dérivées premières à zéro. Donc ici, il n'y a pas de terme du premier ordre. Et à l'ordre suivant, vous avez un certain nombre de coefficients. Delta x, delta x, delta x, mu nu lambda. Et maintenant, faisons le comptage. Le nombre de coefficients que vous avez à cet ordre-là, donc la liberté que vous avez pour changer la métrique comme vous voulez, c'est... il y en a dans l'espace à dimension n, ça a n valeurs. Et là, vous avez... chacun prend une valeur, mais c'est symétrique. Donc du coup, ça donne n, n plus 1, n plus 2 sur 1, 2, 3. Bien. En revanche, de l'autre côté, vous essayez de simplifier les dérivées secondes de la métrique. X kappa dérivée x lambda. Et là, vous êtes symétrique dans cette paire d'indices et symétrique dans cette paire d'indices. Donc vous en avez nn plus 1 sur 2, le tout au carré. Et maintenant, vous trouvez que il y en a plus ici que là et que la différence, ça moins ça, ça va donner le nombre de dérivées secondes de la métrique que vous ne pouvez pas réduire à 0. Et cette différence, vous trouvez qu'elle vaut n2, n2 moins 1 sur 12. Donc, ce simple argument de comptage dit que localement, au niveau des dérivées secondes de la métrique, c'est-à-dire des termes en delta x2, je ne peux pas les réduire à 0, mais en tout cas, je peux les réduire à un certain nombre de composantes qui est plus petit que ce nombre total, mais qui doit rester ça. Et ça, c'est la façon dont Riemann a introduit en fait la courbure. Et effectivement, on verra que la courbure a ce nombre de composantes indépendantes. Alors, la deuxième façon d'introduire la courbure, c'est en utilisant le transport parallèle, puisque si vous prenez un vecteur au point P, vous pouvez commencer à le transporter parallèlement en un point infiniment voisin qui diffère, qui est en un point P', mais qui, dans le système de coordonnées que vous considérez, a des coordonnées x mu plus d1 de x mu, puis après, ce même vecteur, il faut que je le mette comme ça, donc il arrive ici, vous pouvez le transporter dans un deuxième vecteur d2 de x mu, dans une autre direction, donc il arrive quelque chose par là, et puis après, vous le transportez en sens inverse de ça, et puis vous fermez le parallélogramme, et donc vous posez la question, après avoir fait comme ça un tour infinitésimal, donc c'est la question de l'holonomie du transport parallèle, le transport parallèle ne va pas retourner sur le vecteur tel qu'il était au point initial, mais il va en différer. Et si vous faites le calcul, comme le faisaient en fait Einstein et Cartan, donc après avoir fait une boucle comme ça, au point P, la différence dans une base naturelle des coordonnées, vous trouvez quoi ? Comme les transports sont toujours des matrices qui agissent sur le V, vous allez trouver qu'il y a une certaine matrice qui agit sur le vecteur V de départ, sur les composantes du vecteur, mais cette matrice, elle va maintenant dépendre de l'aire infinitésimale de ce petit parallélogramme, qui est donc quelque chose qui est fait avec ces deux vecteurs-là, deux vecteurs infinitésimaux, et en fait, il est facile de voir que c'est quelque chose qui est antisymétrique quand vous faites dans le sens D2 d'abord et puis D1 dans l'autre sens. Donc, ça, si vous faites vraiment le calcul, vous trouvez que ce truc-là s'écrit comme étant un certain objet à 4 indices fois D1 de x alpha, D2 de x bêta, où on est antisymétrique par rapport à ces deux indices. Et donc ça, mathématiquement, ça veut dire que c'est une deux formes, quelque chose qui deux formes à valeur
dans GLN ici, donc dans les matrices infinitésimales, n par n, qui est évalué ici sur l'aire du parallélogramme. Donc ça, comme c'est antisymétrique, je peux aussi l'écrire en mettant le produit extérieur, c'est-à-dire le tenseur fait de tous les produits des deux directions infinitésimales dans un sens et dans l'autre. Et ça, c'est en fait une des façons commodes de calculer la courbure, c'est que si maintenant vous connaissez les formes différentielles de Cartan, même si j'en ai pas besoin pour ici, mais juste pour dire, si vous définissez la informe de connexion oméga de cette façon, eh bien, l'objet oméga mu nu qui apparaît là-bas, c'est une deux-forme qui est obtenue à partir de la différentielle de la informe de façon très simple. Ça, c'est le produit extérieur des formes. Donc, techniquement, c'est souvent la façon la plus commode de calculer la courbure. Mais maintenant, les coefficients de cette deux formes de courbure, c'est-à-dire si j'écris ça sur les formes, ça s'écrira comme 1 demi de R mu nu alpha bêta dx alpha dx bêta, où ça, c'est considéré comme des informes, et ça, c'est l'évaluation de ces informes sur, en fait, ce parallélogramme infinitésimal. La troisième facette de la courbure, c'est de dire j'avais une dérivation covariante, et la dérivation covariante, on peut calculer le commutateur de dérivées covariantes. Si on était dans l'espace plat, par l'identité de Schwarz, calculer le commutateur de dérivées covariantes agissant sur un vecteur ici avec un indice en haut devrait donner 0. Et comme ce n'est pas une dérivée covariante dans l'espace plat, on trouve que c'est non nul. Et comme ça apparaît cet objet, alpha v nu. Si vous faites le même calcul sur un objet qui a un champ covectoriel, donc à l'indice en bas, vous trouvez la même chose, mais avec un signe moins. Et ici, vous complétez les indices. La matrice, l'indice de la matrice est comme ça. Il faut toujours mettre les indices en gardant une place ici, parce que cet indice après va tomber en bas. Donc en gardant ici comme une forme matricielle et les deux indices antisymétriques à droite. Et soit vous faites le calcul par la formule de Cartan que j'ai écrite ici, oméga égale d oméga plus oméga produit matriciel avec oméga, soit vous le faites directement le calcul par la commutation et dérivée covariante, vous trouvez ce résultat explicite. Ce raisonnement, comme on n'a utilisé que des transports parallèles de vecteurs, ça prouve que cet objet-là doit être un tenseur dont la variance est indiquée, c'est-à-dire une fois contravariant et trois fois covariant. Donc ici, à partir des coefficients de la métrique, on a défini les coefficients de la connexion, qui en repère naturel sont donnés par cette formule, donc qui sont au niveau des premières dérivées de la métrique. Et ici, on a un objet qui contient des dérivées de ces gamma plus des gamma gamma, donc il y a des dérivées secondes de la métrique, et qui exprime ce que l'on ne peut pas éliminer de la courbure, de l'aspect courbe de l'espace-temps d'où l'on est, et qui est donné par cette formule explicite. Cette formule explicite, sous cette forme-là, elle a l'air un peu compliquée, mais il y a deux façons de toujours se souvenir de cette formule, soit de penser à la formule de Cartan, ici, comme ça on sait comment les indices se font, les indices matriciels sont toujours ensemble, soit il y a un truc simple qui consiste à dire, vous prenez les coefficients de la connexion, cette fois vous êtes en coordonnées quelconques, et formellement vous considérez que c'est quelque chose qui est vectoriel, contravariant par rapport à cet indice-là, et ces indices-là ne comptent pas. Et maintenant, vous calculez la dérivée covariante par rapport à l'indice alpha de ça, donc ça donne cette dérivée-là ordinaire plus ce terme-là, et vous soustrayez la même chose en échangeant alpha-bêta en bêta-alpha, ce qui donne les termes dans la deuxième ligne ici. Donc ça, c'est une formule simple aussi pour se souvenir de la définition de la courbure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tenseur de courbure de Riemann-Christoffel.
Alors, on a dit que la propriété du comptage, ici, disait que cet objet devrait avoir ce nombre de composantes-là, en dimension n, n au carré fois n au carré moins 1 sur 12. Comment ça se fait? Eh bien, ce n'est pas évident quand on le voit sous cette forme-là, mais il y a plusieurs façons. Il y a des identités algébriques qui sont satisfaites par les composantes du tenseur de Riemann-Christoffel, et il y a plusieurs façons de le voir. Une façon simplement technique, c'est que si vous utilisez un système de coordonnées localement cartésien, où donc les dérivées premières de la métrique sont nulles, et si vous abaissez l'indice qui était en haut du tenseur de Riemann-Christoffel, donc c'est quelque chose qui devient, qui a quatre indices comme ça, tous au même niveau, et si vous le calculez, abaisser l'indice, je vous rappelle, ça veut dire que vous le baissez par la métrique, nu, alpha, bêta, et si vous faites le calcul local, vous trouvez que cet objet est une somme de dérivées secondes, mais c'est une combinaison des dérivées secondes. Qui introduit ces quatre permutations des quatre indices ici. Et donc ça, c'est vrai dans un système local, c'est-à-dire, en fait, c'est vrai modulo des termes qui sont quadratiques dans les dérivées premières de G. Et si vous connaissez un peu la théorie des tenseurs irréductibles, en fait, on reconnaît tout de suite que cet objet-là est un objet à quatre indices qui a les symétries d'un tableau de Young de ce type-là. Qu'est-ce que ça veut dire un tableau de Young? Ça veut dire que cet objet-là va être antisymétrique dans l'indice mu nu, ici, de la première colonne, ce que vous voyez directement ici, parce qu'à chaque mu nu, il y a un terme moins en sens inverse. Oui, par exemple, celui-là doit être celui-là. Et puis, il est antisymétrique dans les indices de la deuxième colonne, et en plus, si vous faites une somme cyclique sur trois indices, par exemple, ces trois-là, où ces trois-là, vous trouvez zéro. Et la théorie des tableaux de Young, donc vous avez ces identités, donc je vais en écrire une, R mu nu, alpha, bêta, et aussi antisymétrique par rapport à la première paire d'indices, etc. La somme sur trois indices, par exemple ici, somme cyclique, est égale à zéro. Et ça, ça implique que le nombre de composantes indépendantes est bien le chiffre que j'ai écrit ici, N2, N2 moins 1 sur 12. En dimension 4, le nombre de composantes indépendantes de la courbure vaut 20. Donc ça, c'est égal à 20 quand n égale à 4. Alors, l'autre objet essentiel lié au tenseur de courbure, comme on a ici un tenseur dont les indices sous forme naturelle sont comme ça, on peut essayer de faire des traces par rapport à un indice du haut et un indice du bas, et vous définissez comme ça le tenseur de Ricci, qui est obtenu en faisant la somme, c'est-à-dire la contraction sur l'indice du haut et un indice au milieu. Comme cette paire d'indices est antisymétrique, il y a deux conventions, soit vous faites la trace par rapport au dernier ou par rapport à celui-là, c'est la même chose au signe près. Avec cette convention-là, le tenseur de Ricci est une forme quadratique définie positive sur la sphère, par exemple. Donc c'est la bonne convention que maintenant tout le monde utilise. Donc cet objet-là, est un objet, d'abord, ce n'est pas totalement évident à ce niveau-là, mais il est symétrique par rapport aux indices mu nu. Vous pouvez le voir si vous le calculez explicitement, et vous le voyez à partir de ça, qu'il est symétrique. Ça, c'est le tenseur de Ricci. En dimension quelconque, cet objet-là a donc n plus 1 sur 2 composantes. Et en dimension 4, ça, ça vaut 10. Donc, vous voyez que le tenseur de Ricci contient la moitié des composantes indépendantes du tenseur de Riemann-Christoffel. Et enfin, vous avez le scalaire de courbure qui est obtenu à partir du tenseur de Ricci en contractant les deux indices symétriques par rapport à la métrique. Donc, ça, ça n'a une seule composante. Donc, ça, c'est Ricci. Ça, c'est le scalaire de courbure. Et puis, finalement, il y a la combinaison suivante. R mu nu moins 1/2 de Rg mu nu, qui s'appelle le tenseur d'Einstein, parce qu'il a été introduit par Einstein et parce qu'il est introduit dans les équations d'Einstein. Et de façon curieuse,
cet objet-là n'a pas une notation sur laquelle tout le monde est d'accord. Dans le monde anglo-saxon, ça s'appelle grand G-menu parce que c'est le tenseur de géométrie au membre de gauche des équations d'Einstein, la matière étant dans le membre de droite. Dans le monde français traditionnel, il s'appelait S-menu parce que c'est la lettre après R, je pense. Certaines personnes essayent de l'appeler E-menu, E étant pour Einstein, mais ça ne prend pas particulièrement. Dans la littérature mathématique, cet objet-là s'appelle Ein pour Einstein, et puis ça, c'est les composantes naturelles du tenseur d'Einstein. Alors, ici, j'ai dit qu'il y avait que la courbure satisfaisait des identités algébriques. Elle satisfait aussi des identités différentielles qui peuvent se voir de plusieurs façons. Soit vous utilisez le formalisme des deux formes et vous introduisez en fait. Au lieu d'introduire les dérivées covariantes de quelque chose, vous pouvez introduire la différentielle covariante de Cartan, c'est-à-dire agissant sur n'importe quel objet, vous en prenez la dérivée covariante, et puis vous contractez cet indice-là par un élément de la base des informes dx lambda pour définir un objet qui, agissant par exemple sur un vecteur, serait... un vecteur, mais qui reste un vecteur, mais qui est évalué dans les informes. Et quand vous utilisez ce langage-là, juste pour. On ne l'utilisera pas. Vous vérifiez que la deux formes de courbure satisfait simplement le fait que sa différentielle de Cartan covariante est égale à zéro. Et ça, c'est un calcul assez simple, parce que vous utilisez le fait que oméga. Je ne peux pas écrire tous les indices, c'est la formule que j'ai écrite ici, vaut d oméga plus oméga wedge oméga, et puis vous calculez ce d veut dire d plus oméga wedge oméga, puis vous faites le calcul à partir de là, et c'est assez simple, et vous trouvez que c'est égal à zéro. Donc ça, c'est une façon rapide. En composante, c'est tout aussi rapide, parce que si vous êtes dans un système de coordonnées localement cartésien, comme cette égalité est vraie à des termes quadratiques dans les dérivées premières, cette égalité reste vraie si j'en prends la différentielle première, non covariante, parce que si je prends une dérivée partielle, je vais avoir des dérivées troisièmes des nus, et puis ici, je vais avoir des termes du type dérivée seconde de G, mais il restera une dérivée première de G. Donc ça, ça reste nul en un point. Et donc, du coup, vous pouvez voir directement que le tenseur de Riemann-Christoffel satisfait une identité du type, je vais l'écrire avec la notation ancienne, de la dérivée covariante, c'est-à-dire que vous prenez une dérivée covariante à droite et vous faites une somme cyclique, c'est-à-dire cette paire d'indices est antisymétrique. Donc faire une somme cyclique sur ces trois indices revient à prendre l'antisymétrie en fait sur les trois indices et vous trouvez que c'est égal à zéro. Identiquement. Bien. Donc vous avez ces identités, qui s'appellent l'identité de Bianchi générale, et en prenant une trace des identités de Bianchi, en fait vous démontrez une autre identité, qui est que la dérivée covariante contractée du tenseur d'Einstein, c'est-à-dire ici, je prends le tenseur d'Einstein, je monte un indice, donc ça donne R menu moins 1 demi de R delta menu, et autrement dit, c'est la même chose que Nabla mu de G menu, et ça, c'est identiquement nul. Cette identité avait été trouvée en fait par les. Celle-là avait été trouvée par les géométries italiens, Bianchi et ses étudiants. Celle-là, en fait, n'avait pas été trouvée ou a été perdue et a été démontrée par Einstein lui-même. C'est-à-dire Einstein, quand il a commencé à trouver la relativité générale, travaillait vraiment en composantes et il a trouvé par des calculs compliqués que ça satisfait une identité de ce type-là. Et ce n'est qu'après la publication d'Einstein que les mathématiciens ont retrouvé que. Bianchi avait trouvé quelque chose qui impliquait ça. Alors, maintenant, les équations d'Einstein, avec, donc, je les ai introduites rapidement la dernière fois. Je vais les laisser dans un coin. L'action totale de la matière est la somme de l'action de la gravitation, qui ne dépend que de G, plus l'action de la matière,
qui dépend des champs de matière comme des fermions, des champs de jauge comme le champ de Maxwell, un champ scalaire comme le champ de Brout-Engler-Higgs, qu'on vient de découvrir, disons, et puis qui se... On prend le Lagrangien du modèle standard de la relativité restreinte ou des approximations et on remplace partout la métrique de la relativité restreinte par la métrique courbe. Et quand il y a des dérivés ordinaires dans un certain champ, comme dans les termes cinétiques, il faut utiliser la connexion et donc vous remplacez la connexion triviale de l'espace de Minkowski par la connexion de Levi-Civita. Autrement dit, ici, vous remplacez eta par g, et ici, vous remplacez les dérivées ordinaires par les dérivées covariantes. Maintenant, on peut définir le tenseur d'énergie-impulsion de la matière, t mu nu, comme étant égal à la dérivée variationnelle, à un facteur 2 sur racine de g, où g, je vous rappelle, désigne la valeur absolue du déterminant de g mu nu, donc moins fois le déterminant de g mu nu, la dérivée variationnelle de la matière par rapport à g mu nu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dérivée variationnelle? Dérivée variationnelle, ça veut dire l'action est une certaine intégrale qui dépend de divers champs, et vous variez, donc il y a une intégrale d'un certain Lagrangien sur l'espace-temps, vous variez ici la métrique et les dérivées premières de la métrique quand elles apparaissent, vous intégrez par partie et vous écrivez ça, modulo des termes de surface que ici vous ne regardez pas, sous la forme suivante, d4x divisé par c, ce qui est une convention, mais c'est parce que je vous rappelle que x0 vaut ct, donc en unité ordinaire vous voulez dt d3x. Et ici, il apparaît la racine carrée de ce déterminant-là, qui est un élément de volume de l'espace-temps. Et il apparaît le coefficient en un point x de delta g minu de x. C'est comme ça, c'est la définition de t minu. Donc ça, donc plus des termes de surface. Si vous appliquez ça, par exemple, à Maxwell, juste comme pour voir, vous savez que si vous avez eu des cours de théorie des champs, bonjour Yvonne, il y a plusieurs façons de définir le tenseur d'énergie-impulsion. La fonction de la méthode de base consisterait à utiliser le théorème de Noether, c'est-à-dire qu'il y a certaines symétries de la relativité restreinte, invariant sous le groupe de Poincaré, qui implique quand vous avez une action à tout groupe de symétrie, il y a des quantités conservées. Et ça définit un tenseur d'impulsion-énergie qui n'est pas nécessairement symétrique, mais il y a une façon canonique de le rendre symétrique. Mais en fait, on démontre que ce résultat-là, qui vient de la relativité restreinte, il est équivalent à dire, je prends l'action de la matière, je la couple à un champ courbe extérieur, et maintenant la dérivée variationnelle de l'action de la matière par rapport à ça est égale à un objet symétrique à deux indices, qui est justement le tenseur d'énergie-impulsion symétrisé. C'est, semble-t-il, le mathématicien Hilbert qui a été le premier à comprendre ça et à définir du coup le t mu nu comme ça. Et si vous faites ça, par exemple, pour Maxwell, le Lagrangien de Maxwell, en unité CGS, il y a un facteur 1 sur 4 pi, sinon il y a un quart. Donc c'est f mu nu carré, mais quand vous êtes dans un espace courbe, il faut que vous contractiez les indices de la bonne façon. Donc, par la métrique courbe, donc ça vous donne ça. Et maintenant, donc ici, le f mu nu, c'est simplement pour Maxwell le rotationnel du champ de jauge. Donc il n'y a pas des coefficients. On pourrait aussi mettre des dérivés covariants, comme les gamma sont symétriques. De toute façon, ça ne reste pas là. Et donc la dérivée variationnelle par rapport au g vient uniquement de ces termes algébriques là. Donc vous devez différencier le G qui est le G inverse du G ordinaire. Et quand vous faites le calcul, vous trouvez que le T mu nu pour Maxwell, c'est un calcul assez simple que je vous engage à faire, est égal à 1 sur 4 pi de F mu, F nu moins un quart de F, disons, de G mu nu, F alpha beta, où ici, je dois juste compléter les indices, c'est-à-dire ici, les indices sont montés, sauf celui-là qui n'est pas monté. Et puis vous contractez et comme ça, et les indices mu et nu doivent être les premiers ici.
Et si, par exemple, vous calculez la composante T00, vous trouvez que c'est 1 sur 8 pi du champ électrique carré plus le champ magnétique carré. Donc la normalisation de T menu est bonne. Avec cette définition du T menu, et avec, on va maintenant démontrer que si l'action de la gravitation est égale, comme je l'indiquais la dernière fois, à l'intégrale, enfin c'est la définition de Einstein et Hilbert, racine de g de C4 sur 16 pi g du scalaire de courbure que j'ai défini ici. Si vous introduisez le seul degré de liberté possible dans la théorie d'Einstein, qui est une constante cosmologique, qu'on va discuter dans un moment, cette constante cosmologique apparaît avec un signe moins et un facteur 2 par rapport à R de G. Donc, maintenant, démontrons que les dérivées variationnelles, ici, donnent les équations d'Einstein, c'est-à-dire... Je vais juste mettre là. J'ai défini ici le tenseur d'Einstein. J'utiliserai ici la notation anglo-saxonne, G menu, juste pour fixer les idées. Les équations d'Einstein donnent G menu plus lambda G menu est égal à 8 pi G sur C4 T menu. T menu est le tenseur obtenu à partir de celui-là qui était deux fois contravariant en baissant les indices par la métrique G. Alors démontrons ça. Ça, c'est un calcul variationnel. On prend l'action d'Einstein, Hilbert, et qui est donc une fonctionnelle qui dépend de G à la fois à travers le terme gravitationnel et à travers le fait que la matière ici dépend de G. La dérivationnelle de la matière par rapport à G menu, par définition, j'ai dit, ça donne ce terme-là. Bien. Où il apparaît un coefficient 1/2 qui est mis là par définition. Comme ici, vous avez un coefficient 1 sur 16 pi. Vous voyez que la première partie d'Einstein va avoir un coefficient 1 sur 16 pi. Ici, un coefficient 1/2. Ça explique pourquoi je vais avoir 8 pi g dans le membre de droite, puisque il y avait en fait un 1/2 de t menu et puis il y avait 1 sur 16 pi g à droite. Donc expliquons comment effectivement la dérivée variationnelle de... Donc là, je supprime les coefficients et je considère la partie essentielle de l'action d'Einstein, celle-là. Et là, on va faire un calcul variationnel. Cette action, je varie G partout. Donc, varier, et je peux être en dimension N quelconque. Quand vous variez G partout, vous avez soit, algébriquement, vous devez varier le G menu qui est ici à gauche, donc il reste R menu, ou vous avez un deuxième terme qui est racine de G, G menu, delta R menu de G. Alors, calculons d'abord le premier terme, juste pour que vous ayez vu ça une fois dans votre vie. Donc, je veux la dérivée variationnelle. J'ai défini T menu comme étant la dérivée variationnelle par rapport au G menu en bas, la métrique covariante. Pour faire ici la dérivée, la variation, donc delta, ça veut dire que... delta pour n'importe quel champ phi, ça veut dire que j'ai en un point... un champ phi varié, je l'ai changé un peu, et je fais la différence par rapport au premier champ tel qu'il était là. C'est une variation de la métrique. Donc, en un point. Comme le G avec les indices en haut est défini comme étant la matrice inverse, ça, quand vous variez cette identité, vous trouvez que delta G mu sigma, G mu sigma, plus... G mu sigma delta G mu sigma est égal à la variation de quelque chose qui est un nombre, qui sont des nombres, le symbole de Christoffel qui vaut la matrice diagonale, et donc ça donne 0. Donc vous en déduisez de ça que varier le G mu en haut, c'est équivalent à varier le G mu en bas, mais avec un signe moins, et puis en montant les indices. Bon, c'est un calcul facile. Autrement dit, je suis en train de calculer la variation d'une matrice inverse comme étant
moins la variation de la matrice, et puis la matrice et la matrice inverse qui apparaissent à droite, la matrice inverse qui apparaît deux fois. Il reste aussi, ici j'ai la racine carrée du déterminant de G. Pour ça, il faut se souvenir d'une formule sur la variation d'un déterminant qui est donnée par ce qui s'appelait autrefois les cofacteurs. La matrice est symétrique, donc je n'ai pas à m'inquiéter, mais les cofacteurs sont en fait, donnent directement la matrice inverse par la formule de Cramer. Et donc, vous en déduisez ça, qui est la formule de variation des déterminants, ou, c'est plus simple de s'en souvenir sous cette forme-là, que la dérivée logarithmique du déterminant est donnée simplement par ça. Et si je prends la dérivée logarithmique du racine carrée du déterminant, j'ai la même chose, mais avec un 1/2, qui est finalement le 1/2 qui apparaît, célèbre 1/2 qui apparaît dans la définition du tenseur d'Einstein, ce 1/2-là. 1/2 de G menu, delta G menu. Donc maintenant, ça me permet de calculer ça, puisque effectivement, ici, j'ai calculé delta G menu, ça donne ça, ça donne delta G, mais aussi moins. Delta de racine de G lui donne 1/2 de delta G. Donc vous voyez que ces termes-là, en fait, donnent moins, finalement, delta G menu fois quelque chose, il y a le racine de G qui reste, et c'est R menu moins 1/2 de R G menu. Où cette fois, les indices ici sont montés à cause de ces deux-là, et puis là, j'ai un signe moins. Et ici, je n'avais pas de signe moins, mais comme j'ai factorisé le signe moins, ce 1/2-là donne de moins 1/2. Donc on trouve bien que ce premier terme est égal à moins racine de G, delta G menu, le tenseur d'Einstein. Bien. Et déjà, si vous combinez ça avec la définition de T menu comme ça, vous trouvez que vous avez ce terme-là est égal à 8 pi G T menu. Le lambda, donc, si je rajoute ici moins 2 lambda racine de G, en utilisant cette formule pour racine de G, vous trouvez que le lambda contribue comme ça. Mais maintenant, il reste à prouver que ce terme-là ne contribue pas. Alors, il y a plusieurs façons de démontrer ça. Une façon, c'est un calcul complètement explicite dans un système de coordonnées quelconque. Mais on peut être un petit peu plus subtil aussi et dire d'abord, je vais me mettre en coordonnées localement cartésiennes, c'est-à-dire où les dérivées premières de la métrique sont nulles, en un point ou le long d'une ligne. Ça veut dire aussi qu'en ce point, les coefficients de Christoffel sont nuls. Et donc, le tenseur de Ricci étant, par cette formule-là, donné comme une dérivée première de gamma plus des gamma-gamma, les gammas sont nuls et les gamma-gamma sont nuls du deuxième ordre. Donc, il suffit que je garde en ce point-là les dérivées des gammas. Donc, ça donne immédiatement... Oui, j'aurais dû écrire la formule explicite pour Ricci. Je vais l'écrire comme ça, on l'aura sous les yeux. Donc, j'ai défini Ricci comme ça. Et le tenseur de Ricci est explicitement égal à d rond alpha nu moins d rond nu de gamma alpha mu alpha plus des termes en produit de gamma, gamma rho mu nu, gamma sigma rho sigma moins gamma mu sigma rho, gamma rho, sigma nu. Donc, quand vous variez ça localement et les gammas sont nuls, les seuls termes qui restent, c'est les termes du premier ordre en gamma, du coup, que j'ai perdu. 2, 4, 2, 5, 2, 6... parce que j'ai dû le mettre en bas, voilà. Donc vous trouvez, donc la variation de ce terme-là donne la dérivée partielle de la variation de gamma. Comme c'est des variations d'un champ en un point,
la variation delta commute avec la dérivée ordinaire des sigma, moins le deuxième terme, qui est dénu de delta de gamma sigma mu sigma. Et puis, tout ça, comme les dérivées premières de G sont nulles, je peux aussi le réécrire simplement comme ça, en définissant le vecteur V alpha comme étant G mu nu delta de gamma mu nu alpha moins G alpha beta delta gamma beta sigma sigma. Donc vous définissez un vecteur comme ça. Maintenant, comme la définition des coefficients en base naturelle, c'est-à-dire des coefficients de Christoffel, de la connexion, était par le fait qu'il pouvait donner une dérivée covariante par cette formule-là, il est facile de voir, en prenant la différence, si vous avez définissez une première connexion et si vous avez une deuxième connexion, que la différence de deux connexions, comme cette formule est tensorielle, doit être un tenseur. Donc, quand vous variez la métrique, la différence des connexions correspondantes est quelque chose qui est un objet tensoriel. Et donc, ça définit un objet, un champ vectoriel. Ça, ce calcul est vrai localement quand les dérivées premières de la métrique sont nulles. Mais du coup, comme cet objet est vectoriel, je peux le réécrire de façon... Le membre de gauche est tensoriel, le membre de droite, maintenant, je le réécris sous forme tensorielle. Et maintenant, vous calculez explicitement quelle est la divergence d'un vecteur en contractant dans cette formule-là l'indice lambda. Si vous faites ce calcul, vous verrez que le terme supplémentaire ici, qui est la trace entre mu et lambda de la coefficient de Christoffel, en utilisant cette identité-là, mais appliquée aux dérivées partielles, vous verrez que cet objet-là s'écrit maintenant comme une dérivée ordinaire et est identique à ça. Donc tout ça montre maintenant que cet objet tensoriel ici a été réécrit comme une divergence totale, et donc quand vous intégrez, ça donne un terme de surface que vous négligez, enfin c'est pas que vous le négligez, par définition du calcul variationnel, vous travaillez modulo terme. Donc ça est égal à une certaine divergence, ok ? Et donc ne contribue pas aux équations d'Einstein. Ok, donc ça conclut ma preuve des équations d'Einstein. On a bien démontré directement, à partir de l'action, que les équations d'Einstein s'écrivent comme ça. Alors vous savez que les données cosmologiques ont montré récemment une indication qu'il existe quelque chose qui appelle l'énergie noire, qui a toutes les propriétés d'une constante cosmologique. C'est pour ça que j'ai rajouté ici la constante cosmologique. Mais en même temps, la constante cosmologique, d'abord, elle n'aura pas d'influence sur les tests du système solaire et dans les pulsars binaires dont je parlerai. Et puis, conceptuellement, en théorie quantique des champs, on a tendance à considérer que la constante cosmologique n'est pas quelque chose qui doit être vu comme étant gravitationnel, mais quelque chose qui vient des fluctuations quantiques des champs de la matière, et donc c'est juste une convention, on le met dans le membre de droite des équations d'Einstein, et de ce point de vue-là, si je le mets dans le membre de droite des équations d'Einstein, il faut que je définisse un T mu nu lambda, donc je définis un T mu nu lambda qui est le tenseur d'énergie-impulsion associé à lambda, qui est donc moins C4 sur 8 pi g fois lambda g mu nu. Okay. Et une fois que j'ai écrit les équations d'Einstein, que j'ai défini T lambda, les équations d'Einstein s'écrivent, le tenseur d'Einstein est égal à 8 pi g sur C4, la somme de tous les tenseurs d'énergie-impulsion de la matière que je vois, et puis peut-être de ces fluctuations quantiques qu'on appelle lambda. Le signe, les conventions de signe, rappelez-vous que j'utilise toujours la signature où g mu nu a un signe moins pour le temps et plus pour l'espace, et donc les composantes T00, qui sont les densités d'énergie, vont être moins G00, ce qui compense ce signe-là, et donc est donné par le signe de lambda. Autrement dit, une constante cosmologique positive, ça veut dire une densité d'énergie positive. Avec cette convention-là, les équations d'Einstein s'écrivent donc tenseur d'Einstein égale 8 pi G sur nu T mu nu. Maintenant, on va, ayant obtenu les équations d'Einstein de façon complète, on va discuter leur contact avec l'expérience. Oui. Je vais poser une question. Je suis toujours un petit peu troublé par cette preuve-là. Je
trouve que ça marche trop bien. Preuve ou définition que le T mu nu est égal à ça? Non, la preuve que ça entraîne les équations d'Einstein. Oui. Je suis d'accord de prendre R parce que, bon, d'après Noether, disons, on cherche un invariant, on tombe la classe de la main. Donc oui. Ceci dit, R dépend des dérivées secondes de G. Oui. Donc un principe variationnel donnerait les équations du mouvement du quatrième ordre. Oui, mais c'est là, oui. Alors. Il y a une sorte de petite merveille, un petit miracle qui fait que, bon, on tombe sur une divergence et hop, ça passe à la trappe. Oui, c'est pour ça que. C'était prévu ou pas? C'était attendu? On espérait ça ou... Alors, la façon dont Einstein l'a trouvé n'était pas comme ça. Enfin, historiquement, donc Hilbert a écrit ça. Puis il a écrit « Je définis la dérivée variationnelle de la courbure d'une certaine façon », mais il n'avait aucune idée de ce que c'était. Il n'a pas démontré que c'était le tenseur d'Einstein. Alors que pendant ce temps-là, Einstein, lui, plus terre-à-terre, a obtenu un Lagrangien équivalent à celui-là, mais qui ne contient que les dérivées premières, qui est le suivant. C'est-à-dire Einstein a fait ses calculs explicites suivants, alors écrivons-les. Calcul qu'a fait Einstein, c'est qu'il est parti de ça. Donc j'ai des gamma plus gamma gamma, hein, et c'est même des gamma. Je ne vais pas écrire tous les indices, hein, mais gamma gamma moins gamma gamma. Ok, tu prends ça, tu regardes ce premier terme et tu l'intègres par partie. Tu dis, comme ça, il y a des dérivées secondes, ça ne me plaît pas. Alors, je vais réécrire, par exemple, le premier terme, je vais tout de même l'écrire. C'est celui-là, mu nu alpha. Donc ça, je l'écris comme dérivée ordinaire de racine de g mu nu gamma mu nu alpha, moins la dérivée par rapport à alpha de racine de g mu nu fois gamma. Ok. Mais maintenant, les dérivées premières de G, je le réexprime en fonction de gamma, puisque c'est la définition des coefficients de Christoffel. Enfin, que la dérivée covariante des G sont nulles, donc ça donne... Donc ce terme-là, en remplaçant ça par sa valeur en fonction de gamma, va me donner un terme en gamma-gamma. Même chose pour l'autre terme. Et donc, en faisant ça, j'ai une identité qui est ça est égal à racine de G mu nu gamma-gamma. Et quand on fait le calcul... on trouve que le gamma-gamma, c'est le même que ceux qui apparaissent dans le tenseur de Ricci, c'est-à-dire ceux-là au signe près. C'est-à-dire que ça est égal à gamma mu nu, gamma alpha, bêta, bêta, moins l'autre gamma-gamma, celui qui est là-bas. Donc simplement ce calcul, plus une divergence totale. Donc Einstein savait que, parce que les dérivées secondes apparaissent linéairement dans l'action, je peux intégrer par partie, et donc cette action ne contient que des dérivées premières. Et ce Lagrangien-là, c'est du type du Lagrangien ordinaire, disons, des mu phi carré pour un champ scalaire. Donc, c'était ça le Lagrangien d'Einstein. Racine de G mu nu, gamma gamma moins gamma gamma. Les mêmes que dans Ricci, mais avec le signe opposé. Donc ça, c'est... Mais c'est pas... Non, mais c'est parce que c'était linéaire dans les dérivées secondes, essentiellement. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, mais... Alors, limite newtonienne. J'en ai déjà parlé, mais comme j'en parlais, en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait que la limite newtonienne soit vraie, mais on n'avait pas les équations d'Einstein encore, donc on ne pouvait pas le voir explicitement. Et pour Einstein, c'était... pendant des années, il a eu le problème de réconcilier le principe d'équivalence, la covariance générale des équations qu'il voulait et la limite newtonienne, et il ne voyait pas... pendant longtemps, comment ça marchait. Alors, finalement, il a trouvé qu'en relativité générale, ça marche. Pourquoi? D'abord, les équations d'Einstein. Donc, le T mu nu ici, c'est le T mu nu total qui contient le lambda. Vous pouvez les écrire aussi sous la forme Ricci est égal à quelque chose. Pour le faire, vous prenez la trace de cette équation-là, ça va vous donner le scalaire de courbure ici une première fois, moins le scalaire de courbure avec la dimension de l'espace-temps sur 2. Donc vous pouvez calculer le scalaire de courbure et le remplacer dans le membre de droite, et vous trouvez comme ça, en dimension quelconque, que les équations d'Einstein sont équivalentes à dire que le tenseur de Ricci est égal à t mu nu moins 1 sur n moins 2 fois G mu nu T, où T ici est la trace de celui-là. Ou si vous avez mis les indices en bas, c'est cette contraction-là. Bien.
Première chose, donc les équations en dimension, alors en dimension 4, quand n vaut 4, ce terme-là vaut 1/2. Donc du coup, les équations d'Einstein contiennent le moins 1/2, soit que vous le mettiez à gauche, soit vous le mettez t-minu à droite. Mais ça n'est pas vrai en dimension n quelconque. En dimension n quelconque, vous avez ici 1 sur moins 1 sur n moins 2. Et maintenant, regardons la limite newtonienne. La limite newtonienne consiste à faire plusieurs approximations. La première consiste à dire que la géométrie est une déviation faible de la géométrie minkowskienne. Autrement dit, que g-mu s'écrit état-mu plus h-mu, ou vous allez considérer que les h sont petits et vous allez négliger tous les termes quadratiques dans h. Et vous considérez aussi que les dérivées premières, bien sûr, des h sont petites, donc les gammas sont petits. Du coup, quand vous calculez le tenseur de Ricci, les termes en gamma-gamma sont du deuxième ordre, donc vous les négligez, il ne reste que les termes du premier ordre. Donc tout de suite, vous voyez que dans cette limite-là, le membre de gauche des équations d'Einstein écrit comme ça, va contenir que les termes de linéaire dans les dérivées premières des gamma. Donc quelque chose... Bien. Maintenant, vous faites aussi une approximation supplémentaire, et les gamma eux-mêmes, donc les gamma alpha mu nu, qui contiennent 1/2 de la métrique inverse g fois les dérivées premières dg, telles qu'ils sont définies là-haut. Quand vous avez cette formule-là, la métrique inverse g mu nu est égale à la métrique inverse de état qui numériquement est égale à état, moins, ça consiste à prendre la matrice inverse d'une matrice qui est essentiellement l'identité plus une certaine matrice H, et donc quand vous prenez la matrice inverse de ça, vous trouvez que c'est 1 moins la matrice H plus le carré de la matrice H, etc. Donc à l'ordre premier ordre, vous trouvez que vous avez moins le H menu, ou le H menu avec les indices en haut, veut dire vous élevez les indices avec état. Donc ça, c'est état mu alpha, état mu bêta, h mu nu, h alpha bêta en bas. Donc vous définissez le h mu nu en haut comme ça et vous trouvez qu'à des termes du deuxième ordre près, ça c'est la métrique inverse. Donc dans les coefficients de Christoffel, il suffit de remplacer le état ici. Donc finalement, je l'écris si vous voulez ou je ne l'écris pas parce que quand vous avez. Si vous. Donc prenons la convention maintenant que je vais monter et descendre les indices par état, donc pour tout objet. Par exemple, si j'ai un H alpha bêta, je vais définir H alpha en haut bêta comme étant état alpha sigma H sigma bêta. Je monte et je descends les indices avec état. Donc du coup, la formule pour Christoffel devient simplement H. Sorry. Donc il y a deux termes en dérivée première et puis il y a un indice alpha qui est différent. Alpha en haut, h mu nu. Donc ça c'est vrai au terme h carré près. Donc je peux remplacer ça là-dedans, ça me donne une forme explicite pour le tenseur de Ricci. Mais maintenant, la deuxième approximation que l'on fait en limite newtonienne consiste à dire que parmi les dérivées, la dérivée par rapport à x0, qui veut dire 1 sur c, d sur dt, agissant sur h, ça c'est une dérivée temporelle divisée par c. Pourquoi est-ce que la métrique h va varier dans le système solaire? Elle va varier parce que la source qui engendre la métrique, qui sont les planètes, bouge. Si rien ne bougeait, ça ne dépendrait pas du temps. Et du coup, grossièrement, vous attendez à ce que ça soit de l'ordre de v sur c des dérivées spatiales de h, et vous utilisez maintenant l'approximation supplémentaire que les vitesses sont faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Autrement dit, vous utilisez le fait que d0h est aussi beaucoup plus petit que le dérivé spatial. Donc, si vous utilisez non seulement que h est petit, mais que les dérivées temporelles de h par rapport à l'indice 0 sont petites, dans cette expression-là, tout de suite, vous voyez que les seuls indices qui. L'indice 0 ici ne va pas compter, c'est l'indice spatial qui compte, i égale 1, 2, 3, unu. Et que ici, donc calculons R0, 0. Maintenant, je calcule la composante 0, 0 de Ricci. Le premier terme me donne ça, 0, 0, mais le seul qui reste dans cette limite-là, c'est la dérivée spatiale ici, et ici les indices 0, 0. Le deuxième, comme il contient forcément
des indices zéro est négligeable. Et donc, à l'approximation newtonienne, c'est très simple. R00 est égal à une dérivée spatiale contractée sur l'indice I de gamma I00. Mais maintenant, en utilisant cette formule-là, je peux calculer les choses. J'ai un facteur 1,5 qui est là. J'ai la dérivée spatiale I qui est là. Et maintenant, je dois mettre gamma I00 que j'écris ici. Donc, le gamma I00, c'est égal. D'après cette formule-là, ici, j'ai l'indice mu et l'indice nu. Donc, j'ai D0 H0i plus D0 H0i moins D0i H00. Mais là, de nouveau, j'ai des dérivées temporelles qui sont plus petites qu'une dérivée spatiale. Donc, finalement, la seule chose qui reste, c'est moins 1,5 de dérivée i, contraction H00. Mais ici, élever l'indice i, comme je n'ai plus qu'un indice spatial, ça veut dire mettre les états ij spatiaux, autrement dit, qui sont delta ij. Autrement dit, élever l'indice i, c'est comme si on ne faisait rien, puisqu'on a la métrique euclidienne. Donc, si je définis l'opérateur de Laplace, le Laplacien, au sens des physiciens, c'est-à-dire delta ij, d'i, d'j, c'est-à-dire, pour être explicite, dx carré plus dy carré plus dz carré, avec un signe plus, ça donne moins 1,5 de Laplace de H00. Donc vous voyez que, et c'est ce que Einstein a découvert en novembre 1915, que R00 est égal à moins 1,5 du Laplace ordinaire de H00. Et donc maintenant, les équations d'Einstein, le membre de gauche me disent R00 égale moins 1,5 de Laplace de H00. Et dans le membre de droite, je dois avoir 8 pi g sur C4, T00, moins, donc il reste ça. En dimension 4, ça fait moins 1,5. Donc moins 1,5 de G00, mais à l'approximation la plus basse, G00, c'est état 00, c'est-à-dire c'est moins 1. Donc ici, j'ai un signe moins qui se rajoute. J'ai la trace T, qui veut dire G00, T00 plus GIJ, TIJ plus G0I avec un facteur 2, T0I. Mais ça, le G étant état à l'ordre le plus bas, ce qui va rester ici, c'est, et G00 va être moins, c'est moins T00 plus TII, sommé sur l'indice I. Donc, ça fait beaucoup de signes moins, mais quand vous les gardez tous, vous trouvez que tout ça, à cause du 1,5 ici, est égal à 1,5 de T00 plus TII. Autrement dit, ça, c'est la trace de la partie spatiale du tenseur d'énergie-impulsion. Et puis, vous avez 1,5. Donc, l'équation d'Einstein s'écrit moins 1,5 de Laplace de H00. Le 1,5 change le 8pi en 4pi. 4pi g sur C4 fois T00 plus TII. Alors, dernière approximation qu'on ne fera pas d'ailleurs dans la suite, mais si vous avez de la matière ordinaire, par exemple un gaz de particules à l'intérieur d'un objet comme la Terre, ou d'ailleurs des champs électromagnétiques, dans tous les cas, vous trouvez que les composantes spatiales de TIJ sont, alors que les composantes temporelles T00 par la formule E égale MC2, formule célèbre, doit être en gros quelque chose comme la densité de matière, densité en grammes par centimètre cube fois le carré de la vitesse de la lumière. Ici, vous avez des termes du type de la pression, et la pression, c'est du genre de la densité de particules, leur masse, et puis les vitesses avec laquelle ça bouge. Donc, encore une fois, ce terme TII, il est en gros de l'ordre d'une densité fois des vitesses au carré internes à la matière, et comme les V2, donc la dernière, j'ai dit que V devait être beaucoup plus petit que C, c'était l'autre composante de l'approximation newtonienne, et ici, ça veut dire que TII est beaucoup plus petit que T00, qui est approximé comme étant ρ C2. Donc, vous négligez encore ce terme-là, le C2 compense ça, et finalement, ça vous donne que Laplace, et puis je multiplie par le carré de la vitesse de lumière à gauche et à droite, je change le signe, que C carré H00 sur 2 satisfait l'équation moins 4 pi g, ρ, la densité de matière. Mais maintenant,
la théorie newtonienne de la gravitation consiste à introduire un potentiel U, le potentiel newtonien, le potentiel U qui est l'intégrale sur la matière de rho au point. C'est le potentiel newtonien, donc que j'utiliserai toujours avec le signe plus. Donc le potentiel newtonien U au point X est donné par l'intégrale de Poisson, ce qui veut dire qu'il satisfait l'équation de Poisson. La place de U est égale à moins, à cause du de laplacien de 1 sur R, hein, je vous souviens, la place de 1 sur R est égale à moins 4 pi delta, pour vous souvenir des signes, moins 4 pi g rho, ce qui est l'équation de Poisson. Quand vous comparez ça à l'équation de Poisson, vous voyez que, comme on l'avait annoncé la dernière fois, enfin, c'était une condition nécessaire, mais on trouve que C2H00 est effectivement voisin du potentiel gravitationnel habituel, celui-là. Et donc que, à l'approximation la plus basse, dans l'approximation newtonienne, où je vous rappelle, on a fait plusieurs choses. On a considéré que le champ gravitationnel était une faible déviation de l'espace-temps de Minkowski. On a considéré que les dérivées temporelles des zéros étaient beaucoup plus petites que les dérivées spatiales par des facteurs de l'ordre de V sur C. On a considéré que dans la source de la matière, les termes de pression et de tension, parce qu'ils étaient en gros V2 sur C2 fois les termes de densité d'énergie, T00 était aussi négligeable. À cette approximation-là, on obtient finalement que H00 est 2 sur C carré le potentiel newtonien, autrement dit que la métrique G00, la composante G0 de la métrique, vaut la valeur minkowskienne moins 1 plus 2 sur C2 le potentiel newtonien, approximativement. Et ce qu'on avait déjà utilisé la dernière fois. Alors pourquoi ça, c'est la bonne limite newtonienne? Parce que, on va s'arrêter juste là pour une petite coupure, c'est que si vous considérez, d'après le principe d'équivalence et le théorème de Cartan, j'ai dit une particule massive doit suivre une géodésique, et on va le redémontrer après. L'équation d'une géodésique s'écrit d2x mu sur ds2 plus gamma mu alpha beta dx alpha dx beta sur ds, où ds est le temps propre. Mais ça, le temps propre qui vaut 1 sur c l'intégrale de ds, c'est-à-dire 1 sur c l'intégrale de racine de moins g00 moins 2g0i fois la vitesse sur c moins gij VI, VJ sur C2 dt. À l'approximation la plus basse, c'est simplement dt. Et vous changez le paramètre aussi. Et donc cette équation-là donne une accélération pour les particules suivant une géodésique qui, à l'approximation la plus basse, ce terme-là donne ça. Et donc dans le membre de droite, vous avez moins gamma I alpha beta les quadrivitesses. Mais parmi ces composantes-là, comme on suppose partout que V sur C est beaucoup plus petit que 1, c'est que la composante 0,0 qui reste. Donc là, vous avez moins gamma I0,0. Mais en fait, le gamma I0,0, vous voyez, et c'est pour ça que les équations d'Einstein sont bien faites, c'est l'objet qui intervenait directement dans R0,0. Et donc, c'est ça qui est égal à moins 1/2 de moins le DI de H0,0. C'était ce calcul-là, du gamma I0,0. Autrement dit, c'est égal à plus le gradient de H0,0 sur 2. Alors, oui, sauf que j'ai oublié que S, ici, c'était CT, donc j'avais 1 sur C2 T2. Et donc ici, j'ai H0,0 sur 2, qui est donc égal à U sur C2. Donc ici, j'ai de U sur C2. En multipliant les deux membres par C2, on voit que les équations d'une géodésique à l'ordre la plus basse disent que l'accélération est égale plus le gradient du potentiel newtonien. Ce qui est la deuxième morceau.
newtonienne. La théorie newtonienne dit que le potentiel gravitationnel est donné par ça, satisfaisant cette équation, et que l'accélération d'une particule qui tombe dans un champ gravitationnel est donnée par le gradient de U. Donc, on a retrouvé là ce que Einstein avait découvert en novembre 1915, que les équations d'Einstein donnent bien la bonne limite newtonienne. Et maintenant, après la pause de 10 minutes, on parlera de choses plus compliquées. Avant de passer à des choses plus sophistiquées dans la suite, pour la culture de tout le monde, je veux tout de même maintenant expliquer la solution la plus simple, exacte des équations d'Einstein, dans le vide, solution que donc Einstein, en novembre 1915, a trouvé les équations d'Einstein et il a résolu ces équations au deuxième ordre. Ici, on a montré comment, en fait, au premier ordre, R0,0 est comme la divergence d'un certain gamma, et puis on pouvait négliger les termes non linéaires. En fait, Einstein a résolu les équations R0,0 dans le vide, mais au deuxième ordre d'approximation, en gardant les termes en gamma-gamma, en résolvant ça, et il a calculé les premiers effets observables de la relativité générale en novembre 1915. Et deux mois plus tard, Karl Schwarzschild, c'était la guerre de 14-18, qui était sur le front de l'Est allemand, donc en janvier 1916, a trouvé la première solution exacte des équations d'Einstein, à la fois dans le vide et avec la matière, qui est la solution à symétrie sphérique. Donc on cherche l'analogue de la solution à symétrie sphérique de l'équation de Poisson. Si je prends l'équation de Poisson et je cherche la solution à symétrie sphérique, je sais que même si je ne connais pas que le potentiel gravitationnel hors d'un corps sphérique, avec une solution à symétrie sphérique de Laplace égale à zéro, et donc c'est quelque chose qui est en 1 sur R. Et avec les conventions de signes habituelles, on l'écrit simplement plus GM sur R. On m'a fait remarquer à juste titre que j'avais oublié de mettre le G ici, même si je l'avais mis là. Donc dans le potentiel gravitationnel, c'est toujours G fois la masse qui apparaît. Maintenant, Schwarzschild a résolu le même problème pour la relativité générale, c'est-à-dire de trouver la géométrie à l'extérieur d'un corps sphérique en supposant, pour simplifier, qu'elle était indépendante du temps. Et donc, le coefficient G0,0, pour faire les calculs, il est commode de le mettre sous forme exponentielle, mais c'est juste une notation. Et puis, vous avez aussi le coefficient, quand vous êtes à symétrie sphérique, vous allez écrire que la métrique contient dθ carré plus sinus carré dθ dφ carré en coordonnées polaires. Et ce coefficient-là est en général une fonction quelconque de R, mais vous pouvez toujours définir le rayon coordonné que vous n'avez pas encore défini en décidant que ce coefficient-là va être simplement R carré. C'est juste un choix de notation du système de coordonnées qu'on utilise. Il a été démontré après que dans le vide, la seule solution à symétrie sphérique est nécessairement indépendante du temps. C'est le théorème de Birkhoff, mais ici, supposons directement que c'est indépendant du temps. Et posons-nous la question de résoudre toutes les équations d'Einstein sous cette condition-là. Alors, les équations d'Einstein, dans le vide, ça consisterait à écrire que toutes les composantes du tenseur d'Einstein, grand G, sont nulles. D'abord, comme vous avez une métrique très simple comme ça, qui n'a que des composantes sur la diagonale, on trouve assez facilement qu'il n'y a que les composantes qui sont indépendantes du temps, il n'y a que les composantes diagonales du tenseur d'Einstein qui vont être non nulles. Donc, les seules équations que l'on a à résoudre, c'est ça égale à zéro. Mais maintenant, il y a cette identité de Bianchi. Donc j'ai dit qu'il y avait l'identité contractée de Bianchi, que la divergence covariante contractée par rapport à l'indice en haut du tenseur d'Einstein était identiquement nulle. Ce que j'ai oublié de dire, c'était que, vu du point de vue d'Einstein, ça voulait dire que, comme les équations d'Einstein, c'est G mu nu est égal à T mu nu, un coefficient près, ça voulait dire que cette identité de Bianchi impliquait que le membre de droite des équations d'Einstein, T mu nu, devait aussi satisfaire une équation de ce type-là. Et à la limite égale à zéro, on verra ça plus en détail, mais en tout cas à la limite de l'espace plat, ça c'est la conservation du tenseur d'énergie-impulsion. Et donc ça lie ensemble conservation de l'énergie-impulsion de la matière et identité de Bianchi. Mais ici, à cause des identités de Bianchi, par exemple, cette identité-là, qui doit être identiquement nulle,
si vous prenez ici l'indice R dans la sommation, vous voyez que ça va contenir entre autres la dérivée partielle par rapport à R de G et R, et que ça, ça doit être d'autres termes qui contiennent gamma et G. Mais ici, j'ai une dérivée radiale supplémentaire. Ici, a priori, les G contiennent, peuvent contenir des dérivées secondes, hein, puisque G, c'est lié à Ricci, qui contient les dérivées de gamma et donc les dérivées secondes de la métrique. Donc, les dérivées de ces fonctions-là peuvent apparaître dans les équations d'Einstein avec des dérivées secondes. Mais en tout cas, à cause de l'identité de Bianchi, vous voyez que GRR ne peut pas contenir des dérivées secondes, parce que s'il y avait des dérivées secondes radiales, une dérivée radiale de plus donnerait des dérivées troisièmes, mais comme à droite, je n'ai que des dérivées secondes, en fait, ça ne contient pas de dérivées. Donc ça, c'est une façon très simple de savoir qu'a priori, parmi ces équations-là, celle-là ne contiendra que des dérivées premières, donc ça sera plus simple de les résoudre. Et en fait, c'est, si vous regardez plus près cette identité de Bianchi, vous trouvez que en fait, ces composantes-là, leur annulation est une conséquence de l'annulation de GRR à cause de l'identité de Bianchi. Donc finalement, je n'ai pas besoin de regarder ces équations-là, j'ai besoin de regarder que celle-là qui ne contient que les dérivées premières. Et puis maintenant, pour un autre raisonnement qui est lié à l'invariance ou les difféomorphismes, en fait, on sait a priori que celle-là ne va pas contenir non plus de dérivées secondes. Et du coup, maintenant, le calcul va être très simple. Ça consiste à calculer ces composantes-là et ça nous donne deux équations. Alors, je vous engage, si vous n'avez jamais fait ça, il y a deux façons, en fait, de trouver très simplement la solution de Schwarzschild. Une, c'est de calculer ces composantes du tenseur d'Einstein. Et ici, c'est important que ce soit le tenseur d'Einstein, hein, pas le tenseur de Ricci, pour ce raisonnement de l'identité de Bianchi. Ou l'autre, qui est de partir de l'action, mais prendre l'action sous la forme d'Einstein, c'est-à-dire éliminer les dérivées secondes dès le début. Donc l'action, c'est que des dérivées premières, gamma, gamma, moins gamma, gamma. Et vous calculez l'équation de Christoffel, vous les mettez dans l'action, et vous n'avez maintenant que des dérivées premières des gradients de nu et de lambda dans l'action, et puis vous prenez ça comme une action et vous dérivez les actions de l'Air-Lagrange. C'est une façon très rapide en fait, de trouver la solution de Schwarzschild, comme ça qu'Hermann Weyl le calculait. Mais si vous calculez le tenseur de courbure, donc je vous rappelle quel est le procédé pour faire ça, étant donné une métrique, vous calculez d'abord les coefficients de Christoffel. Il y a des petits procédés, si on veut, pour simplifier le calcul des coefficients de Christoffel, mais finalement, c'est aussi simple de les calculer directement. Puis après, vous calculez le tenseur de courbure avant de prendre la trace. Et pour ça, les formules de Cartan, c'est-à-dire utiliser des formes différentielles, donc prendre les formes différentielles de connexion dans les coordonnées polaires R, T, R, θ, φ, et puis calculer ça, et puis après prendre une trace, c'est finalement assez simple. Et donc, quand vous le faites explicitement, vous trouvez que GTT, c'est-à-dire la composante 0, 0, est égale à moins 1 sur R carré. Donc, je vous engage à faire ça comme exercice, si vous voulez vraiment comprendre la relativité générale. 1 sur R carré, moins lambda prime sur R. Et puis, la composante GRR, c'est-à-dire 1, 1, si je dis T, R, θ, phi, c'est les composantes 0, 1, 2, 3, est égale... Ça ressemble, c'est moins 1 sur R carré plus E puissance moins lambda, 1 sur R carré, mais au lieu du dernier terme, il y a plus nu prime sur R. Alors, comme tous ces termes-là, c'est les mêmes, si je fais la différence de deux équations, vous voyez directement qu'on en conclut que nu prime plus lambda prime est égal à 0. Autrement dit, que le produit E puissance nu, E puissance lambda est une constante. Mais donc le produit du coefficient de dr carré et de dt carré est une constante. Maintenant, comme je peux changer l'unité de temps, je ne peux plus changer l'unité de rayon parce que j'ai décidé d'appeler rayon l'aire d'une sphère que l'aire valait 4 pi r carré, mais je peux toujours changer l'unité de temps et donc je peux prendre cette constante égale à 1. Okay. Donc, je sais que ce coefficient-là va être l'inverse de celui-là. Et maintenant, vous avez cette équation-là égale à 0, qui est une équation différentielle justement pour ce coefficient-là, E puissance moins lambda. En fait, cette équation-là est très simple. Si vous l'écrivez, elle s'écrit comme R puissance moins lambda, c'est-à-dire l'inverse de ce coefficient-là multiplié par R, prime est égal à 1. Autrement dit, ça veut dire que R E puissance moins lambda est égal à R plus une constante,
Donc il apparaît une constante d'intégration. Cette constante d'intégration n'est pas importante. Ici, il apparaît une constante d'intégration. Si j'appelle cette constante d'intégration moins 2m, j'en déduis que la solution E puissance nu est égale à E puissance moins lambda est égale à 1 moins 2m sur R. Donc, finalement, on a cette solution très simple que je vais écrire là. ds2, le coefficient du temps de dr carré, c'est moins 2m sur r, c'est 2 dt2. Le coefficient de dr carré, c'est l'inverse de ça, donc c'est dr carré sur 1 moins 2m sur r. Et puis j'ai r2 dθ2 plus sinus carré θ dφ2. Voilà, donc ça, historiquement, c'est la première solution exacte des équations d'Einstein. Elle est remarquablement simple et elle est importante parce qu'elle contient beaucoup de physique. D'abord, elle peut servir de modèle grossier de la géométrie dans le système solaire. Ici, c'était l'idée d'Einstein. Si vous regardez le système solaire, vous avez le Soleil qui est beaucoup plus massif, 300 000 fois plus massif que la Terre et 1000 fois plus massif que Jupiter. Donc c'est lui dont la masse domine tout le système solaire. Et donc la courbure à l'intérieur du système solaire doit être dominée par l'effet du Soleil qui est en gros stationnaire, asymétrie sphérique et au centre. Et donc cette solution doit être une bonne approximation de la géométrie dans le système solaire. Mais du coup, je peux comparer ça à l'approximation newtonienne. Ici, on disait que la composante G00 dans l'approximation newtonienne est égale à moins 1 plus 2 U sur C2. Donc autour d'un corps à symétrie sphérique comme le Soleil, je devrais trouver moins 1 plus 2 sur C2 fois le potentiel gravitationnel d'un corps à symétrie sphérique qui est Gm sur R. Donc en comparant ça à ça, le signe moins ici est factorisé. Donc ça, c'est moins 1 plus 2 petit m sur R. Vous voyez que la constante d'intégration qui apparaissait là, j'aimerais dire que cette constante d'intégration, qui est bien définie par la théorie d'Einstein, doit correspondre dans la limite newtonienne au produit de la masse du Soleil, enfin du corps central, fois la constante de Newton. En fait, c'est un peu plus subtil que ça, parce que, pardon, sur C carré, parce qu'il y a le coefficient C carré. Parce que, ici, c'est une solution exacte des équations d'Einstein. Donc, ça contient, en fait, tous les effets, pas uniquement ici, quand on disait M, M voulait l'intégrale de rho, la densité de masse. Mais la densité de masse, dans la théorie newtonienne, vous négligez les termes de pression, vous négligez toute l'énergie thermique, vous négligez les effets d'autogravitation, que c'est une théorie non linéaire, la théorie d'Einstein. Donc, en fait, le coefficient petit m qui apparaît dans la solution de Schwarzschild, même si conventionnellement on dit que c'est G fois la masse du Soleil sur C carré, c'est la vraie masse einsteinienne, y compris beaucoup d'effets non linéaires cachés à l'intérieur de cette masse. Mais de toute façon, c'est ce que l'on mesure à partir du mouvement des planètes autour du Soleil. Numériquement, au fait, je vous signale aussi qu'on connaît la masse du Soleil en kilogrammes beaucoup moins que le produit Gm, parce que le produit Gm, la masse effective gravitationnelle du Soleil multipliée par la constante de Newton, c'est ce que vous mesurez à partir des périodes des planètes, etc. Et donc, c'est connu à 10 ou 11 chiffres. Okay. Et donc, du coup, le petit m correspondant au Soleil, c'est-à-dire g fois grand M sur C carré, vous voyez que par cette définition-là, c'est quelque chose qui a les dimensions d'une longueur. Donc, vous associez à la masse du Soleil en multipliant par G, en divisant par le carré de la vitesse de lumière, quelque chose qui a une dimension de longueur. Et pour le Soleil, vous trouvez que c'est égal à 1,47625 km, ou en approximatif 1,5 km. Donc la constante d'intégration qui apparaît pour la solution du Soleil, c'est 1,5 km, ce qui veut dire que 2m qui apparaît ici vaut à peu près 3 km. Alors, à l'époque, ce qui a choqué les gens, Schwarzschild et puis après Adamar dans les années 20 quand Einstein est venu à Paris, c'est que cette solution, il se passe des choses bizarres quand R est égal à 2m. Vous voyez, parce que cet objet-là devient infini puis change de signe. Ici, le coefficient G0 devient nul puis change de signe. Tout ça n'a été compris que bien plus tard et c'est la théorie des trous noirs, on y viendra plus tard. Mais pour le moment,
comme le rayon d'EM où il se passe des choses bizarres dans cette solution, c'est 3 km et que le Soleil il a un rayon de 700 000 km, vous n'êtes plus dans le vide. Donc la solution de Schwarzschild ne s'applique pas là où il y a un problème. Donc ça n'est pas un problème pour les applications dans le système solaire. Alors, oui ? Parce qu'Einstein a écrit les équations d'Einstein, qui étaient assez compliquées pour l'époque, et il n'espérait pas pouvoir trouver une solution exacte. Donc comme il était physicien, il savait tout de suite calculer la solution au deuxième ordre. En plus, Einstein utilisait un système de coordonnées. Par exemple, il avait trouvé quelque chose de très subtil, c'est que vous pouvez simplifier beaucoup les équations d'Einstein si vous vous mettez dans un système de coordonnées où les déterminants de G est mis égal à une constante, ce qui veut dire que les gradients de G sont égaux à zéro. Et quand vous écrivez ça, vous voyez que ça veut dire que cette contraction-là, qui est égale à d mu de racine de G sur racine de G, est égale à zéro. Et donc, dans les équations d'Einstein, ça supprimait en fait beaucoup de termes. Ça supprimait ce terme-là et ce terme-là. Donc il ne restait plus déjà que la moitié des équations d'Einstein. À travailler. Et il ne pensait pas qu'on puisse trouver une solution exacte. Et bon, si on parle d'histoire, il se trouve que Schwarzschild n'a pas trouvé la solution de Schwarzschild écrite dans ces coordonnées-là. Il les a trouvées dans une autre coordonnée parce qu'il suivait Einstein et donc il utilisait des coordonnées où le déterminant est égal à une constante. Et c'est Drost, un jeune Hollandais, qui a trouvé les coordonnées qu'on appelle maintenant de Schwarzschild. Le truc d'Einstein ? Oui ? Oui. Drost aussi. Alors Drost avait commencé à résoudre les équations d'Einstein-Grossmann en 1912, donc il était. Mais en 1917, tout de suite après Schwarzschild, ou 1916 déjà. J'ai quelque part la thèse de Drost en hollandais, donc je peux vérifier. Que m'a donné Nicolas Kuiper. Donc, maintenant, j'aimerais parler de physique. Et même si on va, ici, pour rester simple, on va utiliser le modèle par la solution de Schwarzschild du système solaire, mais ce qui correspond, ce qui est quelque chose de dépassé aujourd'hui, c'est dépassé. Pourquoi ? Donc ici, le système solaire, dans l'espace-temps, vous avez le Soleil, et puis autour, vous avez un certain nombre de planètes, et puis au loin, vous avez des étoiles, que vous voyez, qui bougent dans la galaxie, et tout ça bouge dans la galaxie. Alors, aujourd'hui, et on verra des chiffres explicites, les mesures que l'on fait dans le système solaire sont si précises qu'en fait, on ne peut pas modéliser le système solaire par la solution de Schwarzschild. Il faut introduire une théorie du problème à n corps, et c'est ça qu'on fera dans les cours suivants. Mais là, je veux juste rester à l'approximation la plus simple. Et en revanche, pourquoi au fait il faut aller au-delà ? Parce que l'influence des planètes et des interactions entre les planètes est importante, qu'on a trouvé que dans les théories relativistes de la gravitation, je n'ai pas le droit d'utiliser le théorème de Fermi-Cartan pour le mouvement d'une planète parce que il faut que ça soit une particule d'épreuve. Pour dire qu'une particule suit une géodésique, il faut que quand je vais dans un référentiel local où j'élimine le champ de gravitation, quand je rajoute la particule, elle n'est pas un champ gravitationnel. Parce que si elle a un champ gravitationnel, j'ai des effets non linéaires à l'intérieur de la théorie de la gravitation. Donc en fait, je n'ai pas le droit de dire que les planètes suivent des géodésiques. L'environnement galactique aussi, finalement, le potentiel U gravitationnel engendré par la galaxie, si vous calculez son ordre de grandeur dans le système solaire, il est plus grand que le potentiel du Soleil et des planètes. Donc il faudrait une théorie pour comprendre comment je peux éliminer la galaxie, éliminer la cosmologie, etc. Mais, donc on fera ça plus tard, mais là je veux juste conceptuellement indiquer quelles sont les règles d'or pour l'interprétation physique de la relativité générale ? Parce que dans le passé,
les gens étaient parfois confusés, par exemple dans les années 20, même des très grands mathématiciens comme Painlevé étaient confusés en disant « Vous, nous avons montré comment l'avance du périhélie de Mercure peut s'expliquer à partir de cette solution de Schwarzschild écrite comme ça, mais si je réécris la solution de Schwarzschild dans un autre système de coordonnées, ça ne ressemble pas du tout à ça, le coefficient G0, 0 n'est pas le même, et donc qu'en est-il ?» Okay. Donc, les règles pour l'interprétation physique de la relativité générale, comme je l'ai rappelé pour la relativité restreinte, la première règle, c'est de décrire tout processus de mesure comme une configuration géométrique d'une variété V à 4 dimensions munie d'une métrique pseudo-riemannienne. Donc, par exemple, si on est en train de dire « je suis en train de parler d'éco-radar sur les planètes, je suis sur Terre, j'envoie une onde électromagnétique, radar, qui se réfléchit sur la surface d'une planète et qui revient. » Alors, je dois dire « je suis ici, ça c'est la Terre, c'est une world line, une ligne d'univers dans un certain espace-temps. J'émets une onde électromagnétique, à l'approximation WKB, ça va être comme des rayons électromagnétiques, ça se réfléchit là et ça revient. » Et donc, la configuration géométrique, ça consiste à dire, en utilisant cette fois le théorème de Fermi le long du rayon lumineux qu'il suit une géodésique isotrope de l'espace-temps ambiant, donc je sais que ça, c'est une géodésique isotrope qui va de là à là, qui revient, et maintenant, si je dis que je mesure le temps entre le point de départ et le point d'arrivée, je dois penser que le temps, c'est le temps propre mesuré là. Donc, non seulement vous exprimez géométriquement le processus de mesure, mais le résultat de la mesure, qui est par exemple le temps de retour du rayon lumineux, vous l'exprimez comme un invariant, qui est l'intégrale du temps propre entre cet événement-là de départ et cet événement-là d'arrivée. Okay ? Où ça, c'est des taux, et comme ça, c'est moins racine carrée de moins g mu nu dx mu dx nu. Ça, c'est un invariant d'espace-temps. Ça, j'ai prescrit toute ma configuration géométrique de l'espace-temps, et maintenant, j'ai exprimé ce que va mesurer une horloge sur Terre, ce temps d'aller-retour, sous forme d'un invariant d'espace-temps. Et maintenant, je peux faire le calcul dans n'importe quel système de coordonnées, puisque je suis en train de calculer un invariant. J'ai le droit de le calculer dans un système particulier. Et comme je l'ai illustré là, aussi, vous utilisez au maximum le fait que localement ou le long d'une ligne quelconque dans l'espace-temps, la courbure peut être éliminée, enfin pas la courbure justement, mais la métrique et la connexion peut être éliminée, et que donc je peux considérer que les choses se passent comme dans la relativité restreinte. Ici, vous pouvez le faire le long de ce rayon lumineux et dire que je décris ce rayon lumineux comme si j'étais dans l'espace de la relativité restreinte, donc il a une géodésique isotrope, et puis je retranscris ça comme le transport autoparallèle du quadrivecteur tangent à cette ligne d'univers du photon, etc. Voilà. Donc ça, c'est la règle d'or essentielle, et on va illustrer ça sur quelques exemples. Mais d'abord, j'aimerais parler du mouvement des planètes, puisque, après tout, c'est le premier calcul qu'a fait Einstein, qui est le mouvement, l'avance du périhélie des planètes. Et pour ça, vous indiquez que parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais je n'ai pas montré comment ça se faisait, qu'il y a plusieurs actions pour décrire le mouvement géodésique d'une particule. Donc, je prends une ligne d'univers, un point de cette ligne d'univers dans un certain système de coordonnées est repéré par les quatre coordonnées x mu comme fonction d'un paramètre que je vais appeler ici lambda, qui est un paramètre quelconque. Une première action pour la géodésique, c'est celle que j'écrivais là, c'est d'abord, si on met les bonnes unités, mu cette fois c'est la masse propre de la particule que je considère, c à première vitesse fois ds, c'est-à-dire moins mu c l'intégrale de racine carrée de moins g mu nu de x, dx mu sur d lambda, dx nu sur d lambda. Alors, je suis un peu désolé, il faut faire attention. Le mu ici, il veut dire un masse propre, ce n'est pas la même chose que l'indice lambda. Et puis, lambda ici n'est pas un indice d'espace-temps. Cette équation-là, elle est invariante sous les reparamétrisations quelconques. C'est-à-dire, si je change lambda à une fonction quelconque de lambda prime, tout de même monotone, dérivée ne changeant pas de signe. Pardon, j'ai oublié de mettre le d lambda. C'est homogène du premier ordre, donc ça ne dépend pas de ça. Mais l'inconvénient de cette action, c'est qu'elle contient une racine carrée. Et que, donc il y a une deuxième version
dite de Polyakov en théorie des cordes, qui ne contient pas la racine carrée et qui remplace la racine carrée par une forme quadratique, qui est l'action S2, qui contient, en plus de la ligne d'univers, vous vous donnez une mesure unidimensionnelle qui est un Einbein, comme on dit en allemand, un repère mobile de Cartan pour la géométrie de la ligne d'univers séparée de sa géométrie ambiante. Enfin, peu importe, c'est une fonction, quoi. Et vous écrivez, ça c'est si vous entendez ce langage, le premier terme vaut 1 demi de 1 sur E lambda, et cette fois vous mettez le carré de cette forme quadratique-là, lambda, moins 1 demi de E lambda mu carré, ou mu carré, c'est la masse. Et ici, dans la suite, je fais C égale à 1 pour ne pas me compliquer trop à garder toutes les puissances de C. Donc vous voyez que cette action, elle dépend de deux choses. Elle dépend de X, elle est quadratique dans les dérivées premières. Donc ça, c'est comme un terme cinétique, 1 demi de X point carré, mais dans l'espace-temps. Mais il apparaît aussi E lambda. Et qui est un espèce de multiplicateur de Lagrange. Si vous calculez l'équation que doit satisfaire E lambda, d'après cette équation du deuxième ordre, c'est-à-dire vous faites la dérivée variationnelle par rapport à E, qui est une fonction de lambda qui peut varier d'un point à un autre, égale à 0, vous trouvez une certaine équation, parce que ça vous donne moins 1 sur E carré quand vous différenciez, et ça donne moins, il n'y a plus E qui a disparu, donc ça vous donne une équation pour E carré qui finalement se résout et dit que E de lambda est égal à 1 sur mu, la masse, fois racine carrée de moins g mu nu, x point mu, x point nu, racine carrée. Et si maintenant vous remplacez ça dans cette équation-là, vous trouvez comme E est racine carrée, ça redonne le racine carrée. Ici, ça donne le même racine carrée, et les deux s'ajoutent avec le coefficient 1,5, et la somme des deux donne la même chose que ça. Donc numériquement, si je minimise cette action qui dépend de plus de variables par rapport à la moitié des variables, je retrouve la même action qu'au départ. Donc c'est une action qui est équivalente pour décrire la dynamique de particules. Mais maintenant, cette équation-là, vous voyez qu'elle est invariante sous un groupe de symétrie, qui est que si je change E lambda, si je change lambda en lambda prime, par cette équation-là, et que je change E lambda de sorte que ça soit une mesure le long de la ligne, c'est-à-dire qui varie par le jacobien du transformation, vous vérifiez que c'est invariant. Donc cette équation-là, comme la première, elle est indépendante des reparamétrisations de lambda. Mais comme E apparaît comme un espèce de facteur de jauge, je peux aussi fixer la jauge et considérer une troisième action, qui est le Gagewix version de celle-là, dans lequel je prends cette action-là et je remplace E lambda par égal à 1, parce que les équations d'Euler-Lagrange pour la partie x point vont être les mêmes qu'avant, ça sera simplement une façon de fixer le paramétrage le long de la ligne que je considère. Et ça, maintenant, ça vous donne une troisième action, hein, sur des lambda, de 1 demi de g minu de x. Alors, la dérivée par rapport au paramètre, je l'appelle x point, simplement, x point nu, moins 1 demi de mu carré. Donc là, j'ai une action très simple. J'ai remplacé, vous voyez, la racine carrée par 1,5. Ça a aussi éliminé les signes. Ici, j'avais un signe moins. Maintenant, je n'ai plus que des signes plus, donc c'est plus simple. Mais j'ai deux termes, 1,5 et moins 1,5 de mu carré. Et le gros avantage de cette action, c'est que je peux maintenant prendre la limite mu tendant vers 0. C'est-à-dire, si je m'intéresse aux géodésiques isotropes, c'est-à-dire pour des particules de masse nulle, quand mu carré tend vers 0, je ne peux pas prendre mu tendant vers 0 là-dedans. C'est assez délicat, alors qu'ici, je peux prendre mu carré égal à 0. Donc, cette action quadratique, elle décrit le mouvement de géodésique, soit du genre genre temps, ou du genre isotrope, etc. Maintenant, quel est le calcul? Donc, le calcul le plus simple, j'écris les équations de l'Euler-Lagrange, d sur d lambda de la G1 Lagrangien, si le Lagrangien, c'est ça, c'est un Lagrangien qui dépend de x et de x point. Il dépend de x point quadratiquement, il dépend de x à travers le fait que les coefficients de la métrique dépendent de x. Et puis maintenant, je peux écrire les équations de l'Euler-Lagrange égales d rond L sur d rond x mu. Bien. Ce qui est un calcul très facile. Quand vous faites ce calcul-là, qu'est-ce que ça donne? La dérivée par rapport à x point, comme j'ai 1,5, ça va donner cette équation, c'est écrit explicitement, d sur d lambda
de G. Ah oui, là j'ai mis un indice lambda, c'est pas terrible. Tout de même, je vais le laisser. Lambda mu, où lambda n'est pas le même que celui-là. X point mu est égal à 1 demi de dérivée partielle par rapport à lambda de G mu nu de X fois X point mu, X point nu. Bien. Donc, vous avez obtenu les lignes critiques de cette action, qui, comme j'ai dit, sont équivalentes à celles-là, mais dans une paramétrisation. Quand j'ai fait cette paramétrisation E égale à 1, ça veut dire que le long de la particule, j'ai, de la ligne d'univers, ça est égal à un mu carré. Pardon, je ne me trompe pas, oui. Donc, si je mets comme ça, c'est moins mu carré. Donc, ici, maintenant, j'utilise une paramétrisation. Vous vérifiez que c'est une constante du mouvement, que la forme quadratique est constante dans la paramétrisation égale à ça. Et maintenant, ça c'est les équations des géodésiques, cette forme est très commode en fait. Si vous voulez développer cette forme, vous voyez que vous avez ici la dérivée seconde x point point, multiplié par g, et puis il faut aussi calculer la dérivée de ça par rapport à d lambda, que vous pouvez réécrire comme étant x point alpha d alpha, de g lambda mu x point mu, vous avez ce terme-là. Et si vous faites ça, vous avez un terme supplémentaire en gradient de g qui vient de là, qui n'a pas le facteur 1,5. Et quand vous écrivez tout ça, vous trouvez que vous retrouvez bien les coefficients de Christoffel avec trois termes, un coefficient 1,5, et que cette équation-là est bien équivalente à x point point mu plus, disons, lambda, plus gamma lambda mu nu, x point mu, x point nu égale 0. Là aussi, je vous engage à faire le calcul pour voir comment ça marche. C'est une façon de calculer les coefficients de Christoffel de façon plus simple aussi, en utilisant cette approche variationnelle. Donc maintenant, appliquons ça à la solution de Schwarzschild. C'est-à-dire, je prends le mouvement, soit de la lumière, soit de particules dans l'espace-temps de Schwarzschild, et à partir d'une action. Mais comme l'action... Donc, quelle est cette action? Cette action est donnée par un Lagrangien, qui est celui qui apparaît ici. Je le multiplie par 2. Ah oui, alors dans cette action, il restait le terme de masse carré, mais comme c'est une constante, à part pour la valeur numérique, que l'action physique est la bonne valeur numérique, parce que, par exemple, en mécanique quantique, l'action, c'est un nombre qui a une valeur, ce terme-là n'intervient pas dans la variation, dans les équations de l'Euler-Lagrange, parce que c'est juste une constante. Bon. Donc du coup, je peux travailler avec l'action simplifiée, si vous voulez, la prime, qui est simplement g mu nu, x point mu, x point nu. Et pour la solution de Schwarzschild, ça veut dire c'est moins 1, moins 2m sur r, t point carré, c'est-à-dire le temps le long de la ligne d'univers comme fonction du paramètre lambda que j'utilise ici, r point carré sur 1, moins 2m sur r, plus r carré, theta point carré, plus sinus carré theta, phi point carré. Alors la première chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'à cause de la symétrie sphérique, il est facile de voir que si je me place initialement que θ et θ point, si θ égale pi sur 2 et θ point égale à 0 initialement, c'est-à-dire je me mets dans le plan équatorial des coordonnées polaires θ phi, ça va rester une solution. Donc je peux fixer θ à pi sur 2 et donc du coup ce terme-là donne 1 et finalement j'ai juste ça. Donc maintenant, je regarde le mouvement de quelque chose dans le plan équatorial. Et puis, ce Lagrangien, il ne dépend pas. Il y a deux coordonnées cycliques qui est T et Φ. Cette action ne dépend ni de T ni de Φ. Donc immédiatement, par l'équation de... Parce que, en fait, ça, dans la définition générale, c'est le PMU. C'est le moment conjugué, l'action, qui est D rond L sur D rond X point mu, qui est ce qui apparaît ici dans le membre de droite. Comme les coefficients métriques ne dépendent ni du temps ni de phi, vous voyez que ces dérivées sont nulles, donc j'en déduis qu'il y a des lois de conservation. Donc c'est le théorème de Noether appliqué à ce Lagrangien très simple, qui me disent que P phi, qui est égal à dl sur d phi point, mais si je prends la dérivée par rapport à phi point, comme j'avais le facteur 2 là, ça me donne r carré, phi point, où le point veut dire par rapport au paramètre lambda, égal à constante. Donc ça, c'est égal à une constante. Et j'ai pt, qui est dl sur d rond t point, le moment conjugué au temps, qui est moins 1 moins 2m sur r,
T point est aussi égal à une constante. Alors cette constante-là, vous voyez que c'est le moment conjugué à phi, donc c'est ce qu'on appelle le moment cinétique en français, de la particule, que j'appelle L. Et ça, comme j'ai un signe moins et que l'indice T est en bas, c'est moins l'énergie, parce que l'énergie est définie comme ayant l'indice en haut, en tant que vecteur d'espace-temps. Et puis j'ai une troisième constante du mouvement, je vous rappelle, qui est que ça est égal à une constante. Bien. Donc, c'est-à-dire que Lagrangien est constant. Donc, j'ai aussi la constante qui est que moins e carré sur 1 moins 2m sur r, et dans lequel je remplace. Donc, le premier terme, ça serait t point carré fois 1 moins 2m sur r, mais si j'utilise ça, ça donne le 1 moins 2m sur r passe en bas, donc e carré sur ça, plus r point carré sur 1 moins 2m sur r, plus l carré sur r2 est égal à moins mu2. Bien. Et du coup, si j'introduis le potentiel, une fonction de R, qui dépend de R et de mu2, qui est 1 moins 2m sur R fois mu2 plus L carré sur R2, je définis ça. Mais juste parce que cette équation-là, si vous la réécrivez, elle s'écrit R point carré plus ce potentiel WL mu carré de R est égal à l'énergie au carré, l'énergie relativiste au carré. Mais du coup, vous voyez que cette équation-là, elle a une forme newtonienne qui dit que l'énergie cinétique du mouvement radial plus une certaine énergie, un potentiel effectif radial est égal à une constante. Donc cette équation-là, elle est comme chez Newton, si j'avais une particule qui bouge par rapport à un certain paramètre, qui n'est pas le temps, mais le temps propre, en fait, le long de la ligne d'univers, mais avec ce potentiel effectif. Et donc je vais pouvoir résoudre les choses explicitement. Dans quel potentiel ça bouge ? Si vous regardez ce potentiel en le développant, vous voyez qu'il vaut mu carré, ce qui est un terme, c'est un potentiel relativiste, c'est un terme de constante d'énergie de masse qui joue pas un, enfin qui joue tout de même un rôle essentiel. Il y a, en développant là, ce terme-là fois celui-là donne moins 2m mu2 sur R. Donc ça donne un potentiel newtonien en moins 1 sur R. Donc là, j'ai une particule qui est dans un potentiel actif en moins 1 sur R. J'ai le potentiel centrifuge carré du moment cinétique sur L2. Et puis, la nouveauté de la relativité générale, c'est que le produit de ça par ça me donne une correction au potentiel centrifuge qui est moins 2m L carré sur R3. Alors, si vous faites des petits dessins, vous voyez que ce WL, comme fonction de R, alors, le fait qu'il y avait la solution de Schwarzschild voulait dire qu'il y avait ça en facteur. Autrement dit, quand R vaut 2m, ça s'annule, ce potentiel. En dehors de ce point-là, je retrouve le potentiel centrifuge en plus L2 sur R2, hein, qui est quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai le potentiel attractif en moins m sur R. Donc, cette fonction-là, à l'infini, elle tend vers mu carré, ce qui correspond à aller vers la masse au repos. Et puis, j'ai quelque chose qui peut ressembler à ça. Okay. Et donc, du coup, qualitativement, vous voyez tout de suite les solutions pour les particules autour de Schwarzschild, parce que vous allez avoir, par exemple, si vous êtes ici, ça va au minimum de ce potentiel, vous allez avoir une particule qui reste à R égale constante, donc ça, c'est les trajectoires circulaires. Si je suis ici, je vais avoir des choses qui bougent entre un rayon minimum et un rayon maximum, donc ça, comme des trajectoires elliptiques. Et puis, vous voyez qu'il y a des choses plus compliquées, parce que si je suis là, je vais tomber vers R égale à 2m. Et puis, ici, j'ai fait la figure pour le cas où le moment cinétique L carré est assez grand. Si le moment cinétique est trop faible, je ne vais peut-être même pas avoir de trajectoire circulaire du tout. Mais pour les planètes, on se place au voisinage d'une solution du genre newtonienne où le L carré est assez grand. Et une planète va donc être un mouvement comme ça. Donc, comment résoudre cette équation-là ? En fait, résoudre cette équation-là, c'est assez facile. Vous pouvez utiliser les vieilles transformations de variables de Binet, c'est-à-dire vous êtes comme vous faites à l'école autrefois pour le potentiel newtonien. Vous prenez la variable 1 sur R que vous appelez U, vous remplacez là-dedans et vous trouvez que le U satisfait comme conséquence de ça une certaine équation. Et si
Si je veux avoir la forme de la trajectoire en fonction de phi, je vais exprimer u non pas en fonction du paramètre, mais en fonction de l'angle phi. Et pour faire ça, j'écris que du sur d phi est égal à du sur d lambda divisé par d phi sur d lambda, c'est-à-dire u point sur phi point. U vaut 1 sur r, donc ça c'est moins 1 sur r2, r point sur phi point. Mais j'utilise le fait que phi point est donné par cette équation-là, qu'on tient 1 sur r2, etc. Donc je peux éliminer aussi le paramètre qui apparaît ici et le remplacer par la description de la forme de la trajectoire quasi-elliptique en fonction de phi. Et ça me donne l'équation suivante. U prime maintenant veut dire dérivé par rapport à phi. U prime carré plus U2 est égal à U2 moins mu2 sur L2 plus 2M mu2 sur L2 U plus 2M U3. Alors, si vous regardez cette équation-là, ça vous dit que le carré de la dérivée première d'une fonction est égal, dans le membre de droite, un polynôme du troisième ordre en U. Donc ça, je peux le résoudre exactement si je veux par des fonctions elliptiques. Weierstrass et compagnie. Mais si on veut, comme l'a fait Einstein, le faire en calcul de perturbation, je peux aussi différencier cette équation par rapport à phi une nouvelle fois, ce qui va introduire la dérivée seconde de U. En fait, je perds de l'information en faisant ça, mais c'est plutôt simple. Et donc j'ai une équation du type U seconde plus U est égale, très simple, M mu2 sur L carré, moment cinétique, plus 3M U2. Et maintenant, en regardant les ordres de grandeur, on voit facilement que ce terme-là est un terme qui est une correction relativiste, qui est numériquement petit. Si ce terme-là n'était pas là, la solution générale de cette équation-là, U seconde plus U est égal à une constante, c'est la solution U0 est égale à une combinaison linéaire, il y a une constante, et puis cos de phi. Puisque la solution de U seconde plus U égale à 0, c'est cosinus et sinus de phi. Et donc la solution générale, c'est A plus B cosinus de phi, mais ça représente, comme U est égal à 1 sur R, c'est une ellipse. Donc là, on retrouve la solution de l'ellipse. 1 sur R est une fonction linéaire de cosinus de phi. Le coefficient s'appelle l'excentricité. Mais maintenant, je peux résoudre cette équation-là par perturbation en disant ça, c'est la solution à l'ordre le plus bas. Et je dois trouver une correction due à ce terme-là. Alors, une façon de faire le calcul, c'est de remplacer cette solution là-dedans et de trouver la solution du deuxième ordre. En fait, il y a une façon un peu plus élégante de trouver quels sont les termes importants. Soit vous le faites par un calcul brutal, soit vous dites, quand je remplace une fonction linéaire comme ça de 1 plus e cosinus phi dans ce carré, je développe ce carré, je vais avoir une constante, je vais avoir des termes linéaires en cosinus de phi, et puis je vais avoir cosinus carré de phi. Cosinus carré de phi, par une identité trigonométrique, c'est cosinus de phi, plus une constante. Donc ça veut dire que dans le membre de droite, je vais avoir soit des constantes, soit du cosinus de phi, soit un terme linéaire en cosinus phi, c'est-à-dire qui est comme une constante fois u lui-même, puisque u était linéaire en phi. Et maintenant, quand je regarde cette équation-là, j'utilise la théorie de la résonance parce que dans le membre de gauche, j'ai un oscillateur harmonique par rapport à la variable phi. Et donc, dans le membre de droite, si j'ai un couplage qui force l'oscillateur, qui le fait bouger, si ce couplage n'a pas la fréquence de résonance de ça qui est la fréquence 1, puisque ici, c'est-à-dire quelque chose qui est à cosinus phi ou sinus de phi, il n'a pas d'effet séculaire. Par exemple, le cosinus de phi, dans le membre de droite, il y a une solution U égale cosinus de phi fois une constante, et puis rien ne se passe. En revanche, si dans le membre de droite, j'ai quelque chose qui a la même fréquence de résonance, ça va faire quelque chose dans l'oscillateur. Ça veut dire qu'il faut que je prenne le coefficient linéaire de U dans le membre de droite et que je le mette dans le membre de gauche, et ça va me changer la fréquence qui était ici 1 dans une nouvelle fréquence. Donc, quand vous faites ça, vous trouvez qu'effectivement, d'abord, c'est un calcul très simple. Vous verrez. En fait, les notes du premier cours ont été mises sur le site web de l'IHES et les notes du deuxième cours seront mises aussi sur le site web de l'IHES. Quand vous faites le calcul tel que je l'ai indiqué, le terme linéaire c'est alpha, ce coefficient qui apparaît ici, il est égal. Il y a un 3 et puis il y a un 2 parce que quand je développe ça, j'ai le carré qui donne un facteur 2.
Donc on trouve assez facilement que alpha est égal à 6 m sur P0. Et si je fais passer dans le membre de gauche, j'ai donc une équation U seconde plus 1 moins 6 m sur P0 U est égal à quelque chose qui n'a maintenant plus de terme résonnant à droite. Mais ça, c'est une équation d'un oscillateur harmonique. U seconde plus oméga 2 U est égal à quelque chose, où la fréquence, fréquence par rapport à phi, oméga carré vaut ça, donc oméga est la racine carrée de ça. Ça, c'est quelque chose de petit, ce que vous rappelez, c'est gm sur C2. Donc oméga vaut 1 moins 3 m sur P0. Et du coup, ça vous dit immédiatement que parmi les solutions, la solution résonante va être U est égal à 1 sur P, 1 plus E cosinus, ça modifie ce qui apparaît devant le phi dans le cosinus, plus des termes en cosinus de phi avec la même fréquence ici. Okay? Donc vous trouvez que vous avez quelque chose qui est une ellipse déformée par des cosinus de phi, mais le point important, c'est que l'ellipse n'est pas en cosinus phi, mais en cosinus de quelque chose qui diffère de 1. Et ce calcul-là, où le 6 qui est ici vient uniquement du 3 et du 2 qui est là, donc c'est quelque chose de très facile à faire, vous dit que cette ellipse, elle tourne, elle fait une rosette. Au lieu d'avoir une ellipse qui est fixe dans l'espace, elle tourne parce que U, qui vaut 1 sur R, retrouvera la même valeur maximum au minimum, non pas après un angle 2π, mais un angle 2π divisé par 1 moins 3m sur P. Si je développe ça au premier ordre, ça veut dire 2π fois 1 plus 3m sur P. Et donc, j'en déduis que l'angle entre... ici, ce n'est pas le périhéli, mais c'est l'apéhéli le plus loin, enfin, peu importe. Cet angle-là, delta phi, est égal à 2π fois 3 fois m sur P, c'est-à-dire 6π fois m, la constante d'intégration qui apparaît dans la solution de Schwarzschild, divisé par P, où P est le paramètre de l'ellipse, qui est ce P-là. Hein. Ce P-là veut dire le demi-grand axe multiplié par l'excentricité au carré. C'est juste la définition habituelle du paramètre d'une ellipse. Donc, vous voyez, le calcul est assez simple vu comme ça. Ça montre que les trajectoires des planètes, en fonction de leur demi-grand axe et de leur excentricité, avancent de façon positive, c'est-à-dire ça va plus vite que 2π, plus loin que 2π. Et si vous faites le calcul numérique en fonction des valeurs que j'ai données là, donc 1,5 km, etc., vous appliquez ça à la planète la plus proche du Soleil. Comme c'est en 1 sur le demi-grand axe, cet effet est le plus grand si vous êtes le plus proche possible du Soleil. Et c'est là où Einstein a obtenu que delta phi, à partir de cette valeur-là, est égal à 43 secondes d'arc par siècle. Ce qui coïncidait approximativement avec l'avance du périhéli de Mercure connu à l'époque. Donc ça, c'est pour Mercure. Et aujourd'hui, si vous refaites le calcul avec les valeurs les plus exactes et les mesures les plus exactes, vous trouvez qu'effectivement, d'abord, on a démontré récemment que le moment quadrupolaire du Soleil, qui longtemps a été une question, est en fait négligeable. Donc, il n'y a pas de correction du moment quadrupolaire du Soleil. Et donc, ça coïncide au troisième chiffre, à 10-3 près. Bien. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais juste dire en un mot que vous pouvez faire ici, c'est le calcul pour un mu carré non nul, c'est-à-dire une particule massive qui tourne autour du Soleil. Le même calcul marche si je prends mu carré égal à 0, c'est-à-dire je considère un photon, un rayon de lumière. Donc vous faites les mêmes calculs, tout ça s'applique, tous ces trucs-là c'est le même. La seule différence c'est qu'ici je dois mettre mu carré égal à 0. Et donc maintenant j'ai le potentiel effectif pour la lumière, et vous voyez que du coup ce potentiel, à part le fait que comme mu carré égal à 0, il ne tend pas vers mu carré à l'infini, mais il tend vers 0, donc ça veut dire que sa forme, il n'y a pas de minimum possible. La forme du potentiel effectif pour un photon, il s'annule toujours ici. Comme il s'annule, il aura un maximum, et puis là, il tend vers 0 comme L carré sur R2. Et maintenant, comment on interprète ça? Ben, vous voyez, une particule de masse nulle qui vient de l'infini, elle va bouger là. Ici, c'est un point de retour où R point carré égale à 0. Et puis elle repart. Et ça correspond à quoi?
ça correspond autour du Soleil à avoir quelque chose qui à l'infini est sur une ligne droite et qui est défléchi avec un certain angle, ok, qui fait comme ça. On voit aussi des choses intéressantes, c'est qu'il y a ce point particulier qui est un maximum, donc ça vous dit que si vous mettez un photon à ce point-là, il va tourner en rond autour dans la solution de Schwarzschild. Donc il existe dans ces solutions-là des light rings, des anneaux de lumière où des photons peuvent tourner en rond. Mais il faut être pour ça, ce maximum, c'est facile de le voir, il est égal à 3m. Donc si vous pouviez vous approcher à 4,5 km, si le Soleil était d'une taille plus petite que 4,5 km de rayon, il y aurait des photons qui tourneraient autour du Soleil. Mais sinon, pour les photons ordinaires qui passent assez loin, vous pouvez faire par essentiellement le même calcul que je ne vais pas refaire, c'est-à-dire utiliser cette équation-là, mais voyez, avec mu carré égal à 0, vous résolvez cette équation-là par perturbation, u seconde plus u égale un terme u2, il n'y a pas le problème de résonance, mais vous trouvez de nouveau une solution qui est comme ça. Et ici, le coefficient, phi n'apparaît pas. Hein, et donc, vous avez une déflexion de la lumière. Et vous trouvez que la déflexion de la lumière, qui, donc cet angle-là, par le même calcul que j'ai montré, est égal à 4m sur le paramètre d'impact, c'est-à-dire, c'est la distance entre l'asymptote du rayon lumineux qui arrive de l'infini, si on la prolongeait par rapport à la distance perpendiculaire au Soleil. Donc, paramètre d'impact. Donc, ce calcul a aussi été fait en novembre 1915 par Einstein. Et si vous appliquez ça à la taille du Soleil, donc un rayon de 700 000 km, et vous mettez petit m ou 1,5 km, donc vous avez 4 fois 1,5, 6 km divisé par 700 000 km. Donc ça vous donne, pour le Soleil, pour un rayon rasant au Soleil, ça vous donne quelque chose qui vaut 0,86 × 10⁵ radian. Et en seconde d'arc, c'est égal à 1 seconde 75. Effet qui a été mesuré plus tard. Voilà. Donc pour ne pas vous prendre trop, je vais m'arrêter là. Et... Oui, Pierre. Dans le calcul newtonien, c'est deux fois plus petit. Ah oui, donc si on faisait un calcul, si on disait que le photon était attiré par le potentiel newtonien en m sur r carré, une force newtonienne, on trouverait ici un 2 plutôt qu'un 4. Oui. Une façon simple de comprendre. Oui, la façon simple, c'est que... c'est qu'à l'approximation newtonienne, la métrique contient pour G00 1 moins 2U sur DT2 et que la théorie de la relativité générale dit que la métrique d'espace aussi est modifiée. Comme on verra, elle est modifiée dans d'autres systèmes de coordonnées par 1 plus 2U dx carré. Et maintenant, d'après une façon très simple de voir les choses, c'est que d'après le principe de Fermat, une géodésique isotrope, c'est DS2 égale à 0. Donc, ça me dit que si je calcule DT le long, donc DT carré est égal à 1 plus 2U divisé par 1 moins 2U, donc ça donne 1 plus 4U. Si je prends la racine carrée, ça simplifie le facteur 2, et donc j'ai 1 plus 2U sur C carré DX, module, où... Parmi ce 2U, il y a un terme qui vient d'ici, de la truc newtonienne, et un qui vient de la géométrie d'espace. Donc ce facteur 2, la moitié vient de ce terme-là. Et maintenant, d'après le principe de Fermat, les rayons lumineux minimisent le temps dt, et donc ce sont des géodésiques d'un espace courbe euclidien multiplié par ça, où l'effet, le facteur 2, vient pour moitié de la courbure d'espace, du fait que la partie spatiale est courbée, et moitié de la limite newtonienne pour G00. Donc ça, c'est l'origine du facteur 2. En théorie newtonienne, si on disait je ne connais que G00, l'effet gravitationnel, et je n'ai pas la courbure d'espace, j'en déduirais un principe de Fermat où j'aurais U sur C2, et en faisant le calcul de déflexion, je trouve la moitié de la déflexion de la lumière. Voilà, c'est ça ce facteur 2. Donc ce facteur 2, là, il est profond. C'est dû au fait que dans les équations d'Einstein, j'ai une courbure de la partie spatiale GIJ et aussi G00, et qu'elles ont des poids opposés les uns et qui s'ajoutent quand je prends le théorème de Fermat. Einstein avait fait le calcul sur la... Non, Einstein n'avait pas fait le... Si, il avait fait un calcul purement newtonien. En fait, en 1907, Einstein avait prédit
que la déflexion de la lumière devrait être égale à 2m sur b. Et il y a un astronome prussien qui a lancé toute une expédition pour profiter d'une éclipse de soleil qui avait lieu en 1914 en Crimée ou je ne sais plus où. Et il a envoyé une expédition en Crimée. Ils sont arrivés en Crimée pour l'éclipse en août 14, qui est le déclenchement de la guerre, et du coup les autorités locales les ont empêchés de mesurer l'éclipse. Donc il n'y a pas eu cette éclipse mesurée par Freundlich, comment il s'appelait déjà, je ne sais plus, il y a le nom, c'est connu, Freundlich. Ce qui était bien pour Einstein, parce que l'année suivante, Einstein, parce qu'à l'époque, Einstein avait une... Einstein pensait que la géométrie était ds2 est égal à moins 1 moins 2u sur c2 dt2 plus dx2. Il pensait que la géométrie spatiale n'était pas modifiée. Donc il avait prédit le facteur 2, Freundlich. Et deux ans plus tard, Einstein a obtenu la théorie de la relativité générale où ça est modifié et donc il a multiplié sa prédiction d'un facteur 2. Donc c'est heureux qu'on n'ait pas pu, grâce à la guerre de 14 qui s'est déclenchée en août 14, on n'a pas fait une manip qui aurait montré que Einstein, que la déflexion était plus grande que ce que prédisait Einstein, puisque après on aurait dit qu'Einstein avait changé de théorie après les faits expérimentaux. Tandis que là, il a fait une deuxième prédiction en 1915, disant que l'effet était double. Et celle-là a été vérifiée en 1919. Voilà. Topo historique. Autre question ? Pour ne pas dire de bêtises, est-ce que dans cette 43 secondes par siècle, on tenait, qui était déficient, on tenait compte à ce moment-là de l'action des autres planètes ? Ah oui, oui, les autres planètes, c'est 500 secondes d'arc. C'est Le Verrier. On l'a pas modifié, ça. Le Verrier, en 1845, a fait une théorie générale du système solaire où il fitait tous les paramètres, toutes les masses, et il a trouvé que tout marchait sauf un résidu inexpliqué. Qui à l'époque valait 38,5 secondes d'arc par siècle, qui a été raffiné après à 42, 43 secondes d'arc. Et donc il n'y avait pas de doute qu'il y avait cet effet supplémentaire en ayant tenu. Mais cet effet est tout petit par rapport au. Oui, bien sûr. Et donc, on a bien sûr refait le calcul relativiste avec toutes les autres planètes. Si, ça va être la suite. Alors après. Si on tient compte de toutes les... Pour vraiment expliquer les choses, ici, on suppose qu'il n'y a que le Soleil qui perturbe les choses et on rajoute l'effet du Soleil. Pour être sûr que cet effet soit correct, il faut tenir compte de la description relativiste du problème à n corps pour qu'il n'y ait pas d'effet qui vienne modifier ça. C'est ce qu'on fera la prochaine fois. Y a-t-il d'autres questions ? Non, eh bien très bien, merci.